Restons debout un petit instant pendant que nous courbons la tête pour prier. Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd'hui du privilège que nous avons de nous rassembler sur la terre avant la venue du Seigneur. Puissions-nous examiner nos cœurs aujourd'hui par ta parole et voir si nous sommes dans la foi pour que nous puissions être prêts pour que, à l'heure de son apparition, que nous soyons, comme l'Écriture l'a annoncé, tous ensemble enlevés avec ceux qui se sont endormis à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que nous soyons toujours avec lui. Nous te remercions du véritable esprit chrétien qui est encore dans le monde, parmi les gens, de ce qu'ils croient encore en toi et en ta parole. Aussi, nous demandons que tes bénédictions soient sur nous aujourd'hui, que tu répondes sur chacun de nous ce dont nous avons besoin, que nous puissions être arrosés par la parole, que nous puissions grandir et devenir des instruments utiles dans tes mains pour ce dernier jour. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand berger, dont nous attendons l'apparition. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à dire que je considère comme un grand privilège ce matin d'être ici de nouveau. Je suis désolé que nous n'ayons pas suffisamment de places assises. Et nous essaierons ce soir, là, de prier pour les malades. Aujourd'hui, ce matin, ce serait un peu difficile. Et mon intention, c'était d'enregistrer le message d'aujourd'hui. Il m'a semblé que le Seigneur traitait avec moi sur le sujet, il y a un mois ou deux, et c'est un message qui est long. Je n'ai pas le temps qu'il faut quand je suis ailleurs dans les réunions, parce que nous allouons 30 à 40 minutes au service. Et puis, comme les gens doivent aller travailler et tout, je me suis rendu compte qu'il est préférable que je m'en tienne à des messages courts. Et ailleurs, on n'avait pas le temps d'en faire l'enregistrement. Donc je me suis dit que j'attendrais simplement d'être ici, au tabernacle, et que j'en ferais alors l'enregistrement ici. Il est un peu long, et je sais que vous êtes debout. Aussi, je vais me dépêcher, faire aussi vite que possible. Et bon, ça ne me dérangera pas si vous changez de place les uns avec les autres, ou quoi encore, ce sera tout à fait en ordre. Parce que ceci est une journée spéciale, consacrée à faire ces enregistrements. Et alors, nous avons des comptes rendus formidables suite à ce que le Seigneur a fait sur le champ de travail. Mais probablement que nous en parlerons plus ce soir, quand nous pourrons y consacrer plus de temps, que nous aurons plus de temps à y consacrer. Et maintenant, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, qu'il bénira chacun de vous. Je sais que vos cœurs sont remplis de joie alors que vous attendez la venue du Seigneur. Et le mien aussi, il déborde de joie de voir la façon dont les choses se passent. Et les conflits nationaux et l'Église dans l'état où elle est, et de voir les signes de sa venue, à la fois physiques et spirituels, et de savoir que le moment de son apparition est tellement proche, ça remplit vraiment nos cœurs de joie, de savoir que nous allons être changés un de ces jours. Nous allons être changés. Nous ne serons plus les créatures que nous sommes. Maintenant, je crois, si j'ai bien compris, que certains endroits nous sont reliés par téléphone, que ce message est transmis à Phoenix et dans différentes régions, par téléphone. Et alors, maintenant, nous espérons que, si c'est le cas, je ne sais pas, on me l'a annoncé juste avant que je vienne, et que vraiment tous les gens là-bas jouissent d'une bonne santé, et que la gloire du Seigneur est sur eux. Et maintenant, nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Et tous, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nous réjouir et pour prendre garde à ce que nous ne sommes pas du tout venus, et nous, de ceux qui sont présents, personne n'irait croire qu'on puisse rester assis où il fait chaud comme ceci, juste pour le fait d'être ici. Nous sommes ici dans un seul but, c'est d'avoir une marche plus rapprochée avec Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire que le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous sommes ici pour marcher plus près de lui. Or, je supporte assez mal cette chaleur. Je me suis en quelque sorte habitué à la chaleur sèche que nous avons là-bas à Tucson,
L'humidité qu'il y a ici maintenant, la chaleur que nous avons là-bas, c'est beaucoup plus chaud que ceci. Mais c'est sec. On a parfois 1/20 d'1% d'humidité, peut-être, quelque chose comme ça. C'est pratiquement comme de vivre sous une tente à oxygène. Mais ici, il y a de l'humidité dedans. Et avec ça, on se sent complètement vidé, comme on le disait dans le temps. Alors, c'est dur à supporter. Alors, je le sais. Et vous, les mères qui avez les petits bébés, et ceux d'entre vous qui sont debout, les vieux et les jeunes, et compressés comme vous l'êtes. Et alors, nous espérons que Dieu vous récompensera en abondance de votre sacrifice. D'après ce que j'ai compris, frère Roy Borders est ici quelque part. Je l'ai entendu annoncer au micro, mais je suppose peut-être qu'il n'a pas réussi à entrer. Bien, c'est l'organisateur des réunions. Alors, maintenant, nous voulons aussi annoncer que quelqu'un qui a été des nôtres dans le passé est allé rencontrer le Seigneur ce matin. Un homme, frère Jackson, de Sturgis, dans le Michigan. Personne ne connaît les circonstances de son départ ou ce qu'il en est. Il allait très bien et tout simplement, je pense qu'on l'a trouvé mort ou quelque chose. Je n'ai pas eu tous les détails. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce que frère Jackson était un chrétien. Il y a plusieurs années que je ne l'ai vu, mais il s'est assis au milieu de nous et il est l'un des nôtres. Que Dieu donne le repos à son âme valeureuse. De partir comme ça, nous croyons que peut-être que c'était quelque chose, que c'était le moment pour lui de partir. Le Seigneur ne nous en a pas prévenu du tout, ni lui non plus. Il est parti tout simplement. C'est comme ça que c'est arrivé. Et je veux appeler son épouse dès que possible et lui exprimer notre peine. Et nous voulons tous rendre grâce à Dieu de sa vie chrétienne valeureuse et de tout ce qu'il a été sur cette terre, et particulièrement pour nous de cette assemblée locale ici. Maintenant, ce soir, j'ai annoncé qu'on allait prier pour les malades ce soir. Et je parlerai plus des malades ce soir. Mais pour le moment, allons directement à la parole maintenant, parce qu'il y a beaucoup de monde et il fait chaud. Nous irons directement à la parole. Je voudrais lire deux passages de l'Écriture ce matin. Ils sont longs et ils me donneront un peu le contexte de ce que je veux dire. Et maintenant, j'aimerais qu'ils retiennent la bande, frère Sothman et les autres, si possible, avant de la vendre. Je voudrais l'écouter avant qu'elle soit diffusée. Maintenant, je veux lire dans Philippiens, chapitre 2, de 1 à 8, et dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6, et nous lirons jusque dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, juste pour nous servir de contexte. Maintenant, c'est dans Philippiens, chapitre 2, que je lirai d'abord. Avant de lire, prions. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Et en cette heure d'agitation nous vivons, nation qui s'élève contre nation, la peste, des tremblements de terre à bien des endroits, le cœur des hommes qui défaillit, la peur, nous voyons l'écriture sur la muraille. Or ça, c'est dans le domaine naturel, afin que le monde entier puisse voir ces choses. Mais maintenant, il y a aussi un domaine spirituel. Nous voyons les grandes choses qui se produisent et nous voulons en parler aujourd'hui. Bénis ta parole dans notre cœur. Nous savons qu'il n'y a aucun homme dans le ciel ni sur la terre qui soit digne de prendre ce livre, d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Mais quelqu'un s'est présenté, un agneau immolé, ensanglanté. Il est venu et il a pris le livre. Il était digne et il a pu l'ouvrir. Ô agneau de Dieu, révèle ta parole à nos cœurs aujourd'hui pour que nous y trouvions une consolation. Nous sommes tes serviteurs. Pardonne nos péchés, Seigneur, et tout ce qui pourrait empêcher la parole de sortir avec une grande puissance et une grande influence sur nos vies aujourd'hui. Enlève-le, Seigneur, tout obstacle, afin que nous puissions avoir pleinement accès à toutes les bénédictions qui nous ont été promises par ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ,
s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion de miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à l'homme. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, si nous le voulons bien maintenant, prenons 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous commencerons au verset 6 et nous lirons jusqu'au verset 18 et aussi une partie du chapitre 4. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus une gloire. Ayant donc cette espérance, nous devons grandement liberté, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous avons été transformés dans la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses et qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous condamnons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois,
Si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et j'espère et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église, sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent, « Vous voulez dire que Dieu ferait une chose pareille, exprès ?» Certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore maintenant. Il a dit, un jour qu'il en avait des milliers autour de lui, il a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Quelle sorte de déclaration pensez-vous qu'un médecin ou une infirmière ou n'importe quelle personne très intellectuelle, qu'est-ce qu'il penserait d'une déclaration pareille venant d'un homme qui avait un ministère comme le sien? Voyons, il dirait, « Manger la chair, ça c'est cannibale. Boire du sang humain, c'est un vampire. » Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. Il y avait aussi une association de prédicateurs avec lui, 70 qui avaient été choisis. Il s'est tourné vers ceux-là et il a dit, « Que penserez-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Or, il ne l'a pas expliqué. Il n'a jamais expliqué comment. C'est Paul qui l'a fait plus tard. Il l'a dit, c'est tout. Voyez? Et alors, à ce moment-là, il a dit, « Que direz-vous à ces prédicateurs quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ?» Sans doute que ces hommes ont dit, « Un petit instant, là, oh, nous mangeons avec lui, nous pêchons avec lui. » Nous dormons avec lui. Nous savons où il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Et comment cet homme? Cette parole est dure. Et la Bible dit, ils n'allaient plus avec lui. Ils l'ont quitté. Là, il lui en restait 12. Il en avait choisi 12 et l'un d'eux était un démon. C'est ce qu'il a dit. Alors, il s'est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer ce qu'il venait de dire. Comment feront-ils pour manger sa chair et boire son sang? Et comment est-il descendu alors qu'il est né ici même, sur terre? Voyez, il ne pouvait pas le comprendre. Ensuite, il s'est tourné vers les apôtres et il a dit, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Et c'est là que l'apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration, « Seigneur, à qui irions-nous ? » Voyez, car nous sommes convaincus, nous savons avec certitude que toi, et toi seul, tu as la parole de la vie de cette heure. Voyez, et nous en sommes convaincus. Voyez-vous, ils ne pouvaient pas l'expliquer. La foi, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose que vous croyez, et c'est tellement inébranlable que rien d'autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient que la parole qui avait été écrite pour l'âge où ils vivaient, l'âge messianique, qu'il y correspondait tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Retourner dans ces églises froides, formalistes, d'où ils étaient sortis? Ils ont dit, « Où irions-nous ? » Voyez, nous sommes pleinement persuadés que tu as la parole de la vie. Voyez. Et ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le croyaient. Voyez, Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui le suivaient. Voyez-vous, pour qu'ils puissent réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, seulement 11 d'entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris qui il était. Ils savaient qu'il était Dieu, le seul Dieu. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est de révéler ou de dévoiler ce Dieu. Dieu s'est toujours, dans chaque âge, il s'est caché derrière un voile, dans tous les âges, mais il a quand même toujours été Dieu, voyez? Mais il s'est tenu caché du monde et il se révèle à ses élus,
par exemple les apôtres à cette époque-là. Or, c'était Dieu qui parlait en Christ. Bon, l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme, il a cherché à voir physiquement ce Dieu. Il a toujours voulu le voir. L'homme a façonné des créatures qui lui ressemblent. Il pense à les Indiens adoraient le soleil. Et nous trouvons en Afrique différentes formes d'animaux et tout. Et là-haut, le mât totémique en Alaska est différentes formes qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Comme Paul le disait à Athènes cette fois-là, à l'Aréopage, il leur a dit qu'ils étaient superstitieux quant à ce Dieu inconnu, dont ils savaient qu'il était là, mais qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Et alors, nous voyons, même à une époque aussi reculée que celle de Job, Job savait qu'il y avait un Dieu. Il le savait. Il n'y a pas un être humain avec toute sa tête qui ne sache qu'il doit forcément y avoir quelque chose quelque part. Et donc Job voulait lui parler. Et je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. Dieu était voilé quand il a parlé à Job. Il était voilé dans un tourbillon. Il est descendu dans un tourbillon. Croyez-vous que Dieu vient encore dans un tourbillon? Il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre, qui étaient avec nous l'autre jour, quand il est venu dans un tourbillon. Il nous l'avait dit la veille, frère Banks Wood et les autres, quand il avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air et dis, ainsi dit le Seigneur, vous n'allez pas tarder à voir. Et j'ai ramassé la pierre au sommet de la montagne, je l'ai lancée en l'air et, naturellement, en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Voyez-vous, la succion qui a été créée. Vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'en suive. Jésus a pris un morceau de pain et l'a rompu. Ensuite, il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau, il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel. Il en a mis dans un plat. Il a coupé un morceau de bois. Il l'a jeté sur l'eau. C'est quelque chose pour symboliser. Et d'avoir ramassé cette pierre et de l'avoir lancée en l'air, en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Le lendemain, eh bien, il y avait un ministre avec nous. C'était au cours d'une partie de chasse. Il était près de moi et il m'a dit, « Est-ce que le Seigneur donne des visions ailleurs, comme ceci, frère Branham ?» J'ai dit, « Oui. » Mais d'habitude, je viens ici pour me reposer. Et juste à ce moment-là, la vision est venue. Et frère Borders, je pense qu'il est dehors en ce moment. Il était avec nous. Frère Banks Woods, je pense, et oh, il y en avait plusieurs là-bas, 8 ou 10. Et frère Banks Woods guettait ça, juste sur la montagne, juste de l'autre côté de, exactement à environ un demi-mille de l'endroit où les 7 anges étaient apparus. Quand j'étais parti dans ce but-là, d'ici, pour aller là-bas, et que je suis revenu, et j'ai dit ce qu'il en était des 7 sauts, à environ un demi-mille de là. Et alors, le lendemain, pendant que ceci se déroulait, eh bien, j'ai dit au frère, à ce frère, j'ai dit, « Votre problème, c'est que vous avez une allergie dans votre œil. Les médecins essayent depuis quelques années de l'enrayer, et ils n'y arrivent pas. Ils disent que vous... qu'elle va détruire votre œil. » Et j'ai dit, « Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur Jésus a honoré votre foi. » Et il a laissé tomber son fusil. Et j'ai dit, « Votre mère, exactement ce qu'il en était d'elle et quel était son problème. » Et il a dit, « C'est la vérité. » Frère Roy Robertson de l'Église, ici, il était présent. Je suppose que vous le connaissez tous, sachant qu'il était un ancien combattant, et sachant ce qui allait se passer, j'ai mis la main sur son épaule. J'ai dit, « Frère Robertson, sois prudent, fais attention. Quelque chose est sur le point d'arriver. » Je suis retourné à l'endroit où je devais me tenir. Et un tourbillon s'est formé dans l'air. Il est descendu en traversant un canyon. Il était tellement grand qu'il a fracassé le rocher à une profondeur de 8 ou 10 pouces au sommet de la montagne. Il a projeté ses pierres à 200 verges de là. Il a claqué 3 fois comme ça, et une voix en est sortie. Voyez? Et ils étaient tous là. Frère Banks, qui est présent en ce moment, il est venu à moi et il a dit,
C'est ce que tu me disais hier? J'ai dit, oui, monsieur, c'est ça. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit, ça, il n'y a que moi qui dois le savoir, frère Banks, tu vois, parce que c'était, ça alarmerait les gens. Mais cela a continué son trajet, ça s'est produit juste un peu, s'est déplacé vers le nord. Un peu, quelques jours plus tard, cela s'est abattu sur l'océan. Et vous avez vu ce qui est arrivé dans la région de Fairbanks. C'était un signe du jugement. Maintenant, nous voyons que Dieu, encore aujourd'hui, vous voyez, les gens seraient pris de panique. Alors, donc, il fallait que ça arrive, voyez-vous. Il faut que ça arrive, c'est tout. Les choses qui doivent arriver, elles doivent arriver de toute façon. Voyez-vous, elles vont arriver de toute façon. Une fois, Moïse a désiré voir Dieu, et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse s'est tenu là, et il a vu Dieu passer, et son dos ressemblait à un dos d'homme. Dieu était dans un tourbillon, et Dieu, pendant que Moïse se tenait sur le rocher, je suppose que vous avez tous vu la photo là-bas l'autre jour. Nous nous sommes tenus près de ce même rocher. Et il y a la lumière, là, l'ange de l'Éternel, à l'endroit précis où cela a claqué. Là, elle est là, sur le tableau d'affichage, en ce moment encore. Remarquez, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Voyez, il est le même Dieu. Il ne change que de forme. L'autre jour, là, quelqu'un disait, un ministre baptiste à Tucson, « Comment pouvez-vous dire que Jésus et Dieu sont la même personne ?» J'ai dit, « Eh bien, c'est très facile. Si vous abandonnez seulement votre propre pensée et que vous y pensez dans les termes de la Bible, ils sont un seul et même être. Dieu est un esprit. Jésus, c'est le corps dans lequel il était voilé. » Voyez, j'ai dit, par exemple, dans mon foyer, pour ma femme, je suis son mari. Et j'ai une jeune fille, Rebecca, je suis son père. Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Paul, je suis son grand-père. Je suis un mari, un père et un grand-père. Ma femme n'a pas de droit sur moi en tant que père ou que grand-père. Elle n'a de droit sur moi qu'en tant que mari. Et ma fille n'a pas de droit sur moi en tant que mari ou que grand-père. Elle est mon enfant. Voyez? Mais pourtant, ces trois personnes-là, elles sont toutes la même personne. Voyez? Alors, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont simplement les droits rattachés à la dispensation. Dieu est le même Dieu. Dieu s'est transformé. Il change de forme. Si vous remarquez, ici dans Philippiens, il a dit, « Ne regardons point comme une proie arrachée, mais il a pris la forme d'un homme. » Or, le mot grec là pour « forme », j'ai passé la journée d'hier à regarder ça, à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé. J'en suis venu à ce mot de « n-morphé ». Ça s'appelle « e-n-m-o-r-p-h-e ». J'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait « n-morphé ». Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut, mais c'est pour ça que je l'appelle, pour que, si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je veux parler. Quand le « n-morphé », ce qui veut dire qu'il s'est transformé, il est descendu. Or, le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là, et qu'ensuite ça se transforme, et l'œil peut le saisir. Voyez? Comme Élie à deux temps. Voyez-vous, le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges qu'il y avait autour, et Dieu a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges, mais il a changé ce que le serviteur voyait. Et là, les montagnes étaient pleines d'anges, et de feu, et de chevaux de feu, et de chars de feu, tout autour de son prophète. Voyez-vous, il a changé ce qu'il voyait. La chose est déjà là.
Alors, c'est ce que j'essaye de dire. C'est que Dieu, qui a toujours été, il est ici. La seule chose qu'il a faite quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Voyez ? Il s'est émorphé, il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est, ou a changé son masque. Un autre acte, par exemple, dans une grande pièce de théâtre. Je parlais de ça ce matin. Je faisais un peu de rattrapage là-dedans. Shakespeare, ça fait longtemps. Mais quand Shakespeare a écrit la pièce de théâtre, pour le roi Jacques d'Angleterre, le personnage de Macbeth, voyez-vous, Shakespeare ne croyait pas aux sorcières. Mais dans la pièce, étant donné que le roi, lui, il croyait aux sorcières, alors il a été obligé d'inclure des sorcières. Voyez ? Et bon, pour ça, ils ont modifié la distribution des rôles. Becky, ici, dans Carmen, ils ont joué ça à l'école où elle vient de passer son diplôme il y a quelques semaines. Là, une seule personne pouvait jouer deux ou trois rôles. Pour ça, ils changeaient de masque. Parfois, il sort, il est ce personnage-ci. Et la fois d'après, quand il sort, il est un autre personnage. Mais c'est la même personne tout le temps. C'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ensuite, de là, il s'est transformé. Il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Jésus-Christ, c'était Dieu agissant dans l'homme, dans un homme. Dans un homme, c'est ça qu'il était. De la colonne de feu, il s'était transformé. Et alors, il était entré. Et ça, c'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Moïse a vu la forme de son corps, mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu qui était le Logos, qui était sorti de Dieu. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte, maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme ou agit. Maintenant, il agit à travers l'homme. Voyez, à l'époque, il agissait dans un homme, Jésus. Maintenant, il agit à travers des hommes qu'il a choisis dans ce but. Dieu, sous forme d'homme, il s'est transformé de la forme de Dieu à une forme d'homme. Il est venu sous trois noms de fils. Il est venu sous le fils, le nom du fils de l'homme, du fils de David et du fils de Dieu. Trois noms de fils. Or, d'abord, il est venu dans le fils de fils de l'homme, parce qu'il était un prophète. Or, Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes fils de l'homme. Que vois-tu? Jésus n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu. Il disait qu'il était le fils de l'homme, parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Aucune partie des Écritures ne peut être anéantie. Chaque parole doit être telle qu'elle. C'est comme ça que je le crois. C'est comme ça que cela doit être. Pas parce que je le crois, mais parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, si vous remarquez, au commencement, une seule parole, à la page 1 de la Bible, dans Genèse 1, nous voyons que toutes les maladies, toutes les peines, tous les chagrins et tout ce qui est jamais arrivé aux êtres humains, c'est arrivé parce qu'une seule personne a été incrédule à l'égard d'une seule parole. C'est ce qui a causé tout ceci. Ça, c'est au début de la Bible. À la fin de la Bible, Apocalypse 22, le même Dieu a dit, « Quiconque retranchera une seule parole de ceci ou ajoutera une seule parole à ceci. » Voyez-vous, il faut que ce soit parole sur parole. Exactement telle qu'elle. Alors, donc, et prenez seulement, par exemple, la petite chose que quelqu'un me fait sans cesse des remarques au sujet des femmes, de ce qu'elles se coupent les cheveux.
Or, à mon avis, tant qu'elle fait ça, peu m'importe combien elle peut être sainte dans sa conduite et toute la connaissance qu'elle peut avoir, elle a quand même tort. Elle porte des shorts et des vêtements semblables. Peu m'importe ce qu'elle fait, combien elle peut chanter, comme elle peut bien prêcher, tout ce qu'elle peut faire et le genre de vie qu'elle peut mener. Il reste quand même que cette parole-là est transgressée. Voyez ? Voyez, il faut que ce soit chaque parole, pas une phrase, une parole, une seule parole. Donc, la Bible n'est d'aucune interprétation particulière. Il faut que ce soit parole sur parole, telle qu'elle est écrite. Nous devons la croire, et pas seulement la croire, mais la vivre. Si nous ne la vivons pas, alors nous ne la croyons pas. Nous disons la croire, c'est tout. Comme je, en me basant sur ce que je disais, que ses disciples ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le croyaient quand même. Ils faisaient leur confession de foi, et ils vivaient selon celle-ci. Quand tous les autres s'en sont éloignés, eux, ils s'y sont tenus. Ils le croyaient. C'est ce que nous faisons, c'est ce que vous devez faire. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire, nous le croyons. Et puis, nous nous y conformons. Si vous ne vous y conformez pas, alors vous ne le croyez pas. Maintenant, remarquez là, quand il est venu, il devait venir comme fils de l'homme, parce que l'Écriture sainte avait dit qu'il le ferait, que Dieu allait leur susciter un prophète. Alors, il ne pouvait pas venir en se disant fils de Dieu, parce que ce n'était pas cette dispensation-là. Il était le fils de l'homme qui prophétisait pour accomplir et qui leur révélait toutes les choses qui avaient été faites et qui montraient en type ce qu'il était. À l'époque, il était sur terre comme fils de l'homme. Regardez cette Syrophénicienne qui a couru vers lui. Elle disait, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il n'a même pas levé la tête. Elle n'avait pas de droit sur lui en tant que fils de David. Elle était une femme des nations, pas plus que ma fille n'a de droit sur moi en tant que mari, ou ma femme comme fille. Elle est quand même ma fille et ma femme, elle est ma fille dans l'Évangile. Mais sur le plan terrestre, elle n'a aucun droit de m'appeler son père. Voyez, maintenant remarquez, cette femme des nations, elle n'avait pas de droit sur lui en tant que fils de David. Mais l'aveugle Bartimée, lui, oui, voyez-vous, il était juif. Donc, il est venu en tant que fils de l'homme. Vous devez connaître ces mots et ces choses. Regardez Hattie Wright, cette fois-là, quand il y a eu le troisième poule, vous vous en souvenez. De tout ce qu'elle aurait pu dire, cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste à Dieu. Remarquez donc, d'abord il est venu en tant que prophète, et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là il était le fils de Dieu. Dieu est un esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Maintenant, dans le millénium, il sera le Fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le Fils de David. Maintenant, et souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'Église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme, le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme. M. Morphée. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Il est venu comme fils de l'homme, le prophète. C'est précisément ce qu'il a fait. Même cette petite femme, dans tout son péché, là, au puits, elle l'a reconnu. Elle a dit, « Nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et c'est ce qu'il fera. » Voyez-vous,
Elle a reconnu parce qu'elle était une semence prédestinée. Alors elle, alors que les autres, ils ne l'ont pas reconnue. Ils n'avaient rien en eux pour reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ. Pour ses actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Pour l'âge des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long. Ensuite, nous voyons qu'ils ont tout confondu, exactement comme les Israélites l'avaient fait. Si bien que, quand il s'est présenté dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu'Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient comme fils de l'homme. Et puis, de là, à fils de David. Vous voyez comme nous en sommes proches? Fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme fils de l'homme, selon Malachie 4 et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l'Église après qu'ils l'ont mis à la porte. Il est à l'extérieur, il frappe à la porte. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. Il doit les atteindre. Dieu, il s'était déversé dans l'homme. Dans Joël 2, 28, nous voyons qu'il a dit, « Je répandrai dans les derniers jours mon esprit. » Maintenant, si vous remarquez le mot là, le mot grec, il se peut que je me trompe, mais celui que j'ai trouvé, il faut faire attention au mot. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le mot que nous disons « Dieu ». Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Mais bon, dans la Bible, il est dit « au commencement, Elohim ». Or, Elohim, en anglais, on dit « God ». Mais en réalité, Elohim, ce n'était pas ça. N'importe quoi peut être un Dieu, si on prend le mot « Dieu ». On peut faire d'une idole un Dieu. On peut faire de ce piano un Dieu. On peut faire de n'importe quoi un Dieu. Mais pas quand il est question du mot « Elohim ». Il veut dire « celui qui existe par lui-même ». Voyez, ce piano ne peut pas exister par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot « Elohim » veut dire « celui qui a toujours existé ». Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez comme ce mot est différent? Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous, on serait portés à penser ceci, qu'il aurait vomi, le mot anglais « emptied », ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui, voyez-vous, que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot « kenos » en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi, ou son bras serait parti, ou son œil serait parti, une autre personne. C'est qu'il s'est transformé, il s'est répandu dans, amen, dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne, appelée le Saint-Esprit, qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous saisissez? Il s'est répandu lui-même dans les gens, Christ en vous. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement se trouvait dans cette personne, Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu, pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, mais la personne, Dieu voilé dans une chair humaine. 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. En effet, D-I-E-U, Elohim, D majuscule I-E-U, dans la Bible, vérifiez-le, n'importe qui, le mot dans l'original, ce qui est dit, c'est Elohim. Au commencement, Elohim. Voyez? Et Elohim, sans contredit, le mystère d'Elohim est grand. En effet,
Elohim a été fait chair et nous l'avons touché. Elohim voilé dans une chair humaine. Le grand Jéhovah qui remplissait tout l'espace, le temps et partout, il s'est fait homme. Nous l'avons touché. Elohim, au commencement, Elohim. Et Elohim a été fait chair. Il a habité parmi nous. Qu'est-ce ? C'est sa manière de faire, les rôles de la pièce. C'est de cette manière qu'il doit jouer les rôles. C'est sa manière de se révéler à nous comme personne différente. Nous sommes des mortels, et il le sait, et nous comprenons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement ce que nos sens nous permettent de connaître. Et le reste, nous devons le croire par la foi. Nous disons qu'il y a un Dieu, forcément. Que nous le voyons ou pas, nous le croyons quand même. Voyez ? Qu'il y en ait un ou pas, nous le croyons quand même. Parce que Dieu l'a dit. C'est comme Abraham. Il ne pouvait pas voir ce fils. Pas de signe, pas de grossesse chez Sarah. Pas même de cycle menstruel, ni rien, mais quand même, Dieu l'avait dit. Tout espoir, son sein même était mort, et la vie en lui, il n'y en avait plus, et son courant de vie s'était desséché, et sa vie en elle s'était desséchée. Et pourtant, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire, sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est comme ça que nous devons croire cette parole aujourd'hui. Comment la chose va-t-elle se faire? Je ne sais pas. Dieu a dit que ça allait arriver. Alors c'est réglé. Qui est cette grande personne invisible? Qui est celui qu'Abraham a vu dans des visions? Mais au dernier moment, il s'est manifesté en chair avant la venue du Fils. Dieu lui-même est venu à Abraham sous la forme d'un homme au temps de la fin. Manifesté, une fois, il l'avait vu dans une petite lumière. Il l'avait vu dans des visions. Il avait entendu sa voix, de nombreuses révélations. Mais juste avant le Fils promis, il l'a vu sous la forme d'un homme et il lui a parlé. Et lui a fait manger de la viande et lui a donné à boire. Voyez, remarquez, Dieu lui-même voilé dans une chair humaine. Ça fait partie de sa manière de faire. C'est de cette manière qu'il se manifeste à nous, qu'il manifeste la parole éternelle. Dieu, Jéhovah, fait chair, comme dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et là, au commencement était Elohim. Et Elohim était, est devenu la parole, et la parole était Elohim. Et la parole a été faite Elohim. Voyez, c'est la même chose qui se dévoile, tout simplement. C'est comme l'attribut, voyez-vous, c'est en Dieu. Un attribut, c'est votre pensée. Dieu, au commencement, l'éternel, il n'était même pas un Dieu. Il était l'éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu est un objet d'adoration. Ou quelque chose comme ça, voyez? Donc, il n'était même pas ça. Il était Elohim, l'éternel. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a prononcé une parole. Et la parole s'est matérialisée. Voilà tout le tableau de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche. C'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché. Compatir. Et dans le millénium, il y a Elohim assis sur le trône, voyez-vous, c'est exact, avec tous ses sujets autour de lui, qu'il a prédestinés avant la fondation du monde. C'est comme un homme qui construit des carillons, ou qui fait des carillons, le fondeur. Chaque cloche doit rendre un son différent de l'autre. Les mêmes matériaux, mais tant de fer, tant d'acier, tant de laiton, pour qu'elle donne ce tintement. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage passant de celui-ci à celui-là, à celui-ci, à celui-là, à celui-ci, à celui-là, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu, puis dans les prophètes. Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu, qui était Dieu. Voyez-vous, c'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est, précisément de perfection en perfection, de gloire en gloire. C'est comme ça que ça se passe pour l'Église. Remarquez,
au long des âges, de la même manière. C'est par ses prophètes qu'il s'est révélé. En fait, ils n'étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C'est ce qu'il a dit. En effet, ce qu'ils prononçaient, c'était la parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus lui-même a dit, il a dit, « Comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu ?» Alors que votre propre loi dit que ceux à qui la parole de Dieu est venue étaient des dieux. Voyez? Donc c'était Dieu qui se formait dans un homme appelé un prophète. Voyez? Et la parole du Seigneur venait à cet homme. Alors ce n'était pas le prophète. Le prophète était le voile, mais la parole était Dieu. La parole de cet homme n'aura pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne peut pas avoir une action pareille, mais potentiellement, c'était Dieu. Voyez-vous, il était la parole de Dieu sous la forme d'un homme, appelé un homme. Remarquez, il n'a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13, 8 dit, « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, quand il est venu, il n'a pas changé de nature. Il est toujours ce prophète. Tout au long de l'âge, même chose, la parole, la parole, la parole, la parole. Voyez, il ne peut pas changer de nature, mais il a changé de forme. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de masque. Par exemple, moi, je suis passé de mari, quand mon enfant est né, je deviens père. Quand mon petit-fils est né, je suis grand-père. Voyez. Mais je ne change pas, c'est toujours, toujours moi, voyez? C'est comme ça pour Dieu, j'ai seulement changé de... Voyez-vous, on change de forme, c'est tout, voyez? Remarquez, et la nature opère le changement. On passe d'un jeune homme à un homme d'âge mûr, un vieil homme. Et voilà, voyez-vous, on change de forme, c'est tout. Maintenant, vous ne pourriez pas dire qu'un jeune homme, ici, de 16 ans, dire qu'il est grand-père. Il ne peut pas l'être. Il doit changer de forme. Quelques années opèrent le changement, et puis il devient grand-papa. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la même personne tout le temps. La même personne, Dieu, tout le temps. C'est de cette manière qu'il se révèle à son peuple, en faisant comme ça. Remarquez, au long de l'âge de la colonne de feu, il s'est révélé à son peuple. Dans l'âge de Jésus, il s'est révélé à son peuple. Dans l'âge du Saint-Esprit, comme fils de Dieu, fils de David, c'est toujours de cette façon qu'il se révèle à son peuple, en amenant les gens à le connaître. Il est voilé derrière quelque chose. Remarquez, de la même manière, ou avec la même nature chaque fois, Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il est éternel. Mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort, mais il ne pouvait pas le faire sous sa forme de Dieu. Il devait le faire sous sa forme de fils, en tant que fils de l'homme sur terre. Voyez, il devait être sous sa forme de fils. Ensuite, quand il est revenu à la Pentecôte, il était de nouveau fils de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saisissez? Il devait venir dans une chair humaine pour... Et personne sans désir sexuel. Parce que, là encore, c'est la preuve de notre affirmation sur la semence du serpent. Voyez-vous? Sexuel, le sexe, absolument. Pas des pommes, le sexe, c'est exact, forcément. Remarquez ici, voyez-vous, car n'importe quel brave homme, regardez ces prophètes à l'époque, mais lui, il fallait qu'il soit plus qu'un prophète. Pour pouvoir accomplir ça, il fallait qu'il naisse d'une vierge, montrant cette naissance d'une vierge prouvait, il fallait qu'il naisse d'une vierge pour ôter la malédiction, l'antidote. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément que c'était le sexe. Il l'a prouvé par sa propre venue. Il est venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d'une vierge. Il a changé de masque. Il est passé de Jéhovah à Jésus pour pouvoir accomplir l'œuvre rédemptrice dans la pièce où il jouait ce rôle. Dieu à la croix. Les Grecs voulaient le voir. Dans Jean 12, 20, beaucoup d'entre vous m'ont entendu prêcher sur ces paroles. « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. »
Avez-vous remarqué ça? Or, les Grecs, c'était des érudits, c'était des hommes remarquables. Et ils éprouvaient un grand sentiment pour Dieu, comme Paul le leur a prêché à l'Aréopage. Et ils tenaient le premier rang mondial pour la science et l'éducation. C'étaient des gens remarquables. Seulement, ils adoraient et croyaient à la mythologie et tout, les livres d'art et les arts curieux et ainsi de suite. Mais ils étaient en émoi au sujet de cet homme qui pouvait guérir les malades et qui pouvait annoncer d'avance des choses qui arrivaient exactement telles quelles. Ils étaient en émoi, alors ils sont venus pour le voir. Maintenant, soyez très attentifs là, ne manquez pas ceci, voyez. Ils sont venus et ils ont dit à Philippe de Bethsaïda, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe et un autre disciple l'ont amené à Jésus, voir Jésus. Maintenant, remarquez les paroles même que Jésus lui a rapportées, car ils étaient venus pour voir qui il était, et ils n'ont pas pu le voir. Ils ont vu la forme, mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Remarquez les paroles qu'il a prononcées. Si le grain de blé ne tombe en terre, voyez-vous, et ne meurt, il reste seul. Voyez, l'heure est venue, elle sera bientôt là, où le Fils de l'homme sera glorifié. Voyez-vous, il doit disparaître de cette terre. Et si cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir. Voyez, tenez, pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu, et il était là, mais ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. Et c'est la même chose aujourd'hui, ils ne peuvent pas le voir à cause du voile. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués, ou Jésus était masqué devant ces Grecs. Remarquez, il leur a dit, si ce grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Ils ne pouvaient pas comprendre comment, pourquoi ils ne pouvaient pas le voir. Un homme se tenait là. Ils étaient venus pour voir Dieu et ils ont vu un homme. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Ils pouvaient dire, personne ne peut faire ses œuvres, si ce n'est Dieu. Personne ne peut faire ça. Et comment? Ici, il y a un homme. Et pourtant, les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre que Dieu était voilé. Il est voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez? Dieu voilé, se cachant du monde, voilé dans un être humain. Voyez? Ici, il y avait Dieu. Ces Grecs qui disaient, nous voudrions le voir. Et Jésus a dit, un grain de blé doit tomber et mourir. Vous devez mourir à toutes vos idées. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. C'est comme ses disciples. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'il en était de manger son corps et de boire son sang. Mais voyez-vous, ils étaient complètement morts à ces choses. Ils étaient morts pour un principe. Ils étaient morts pour Christ. Quoi qu'il ait pu en être, ou combien sa défaite semblait assurée, ils le croyaient quand même, de toute façon. Voyez, ils pouvaient voir ce qu'il y avait dans cet homme. Un homme qui mangeait, buvait, pêchait, dormait et tout le reste. Qui était né ici sur terre et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes vêtements que les autres. Mais c'était Dieu. Donc, les Grecs n'ont pas pu le voir, parce qu'il était caché d'eux dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée. Si ce grain de blé ne tombe en terre, Dieu, voilé sous la forme d'un homme, s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu, voyez? Et c'était Dieu, voilé dans un être humain.
Donc, ils avaient tous les deux raison. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé dans un être humain. Il était dans cette chair-là, et cette chair-là était son voile. Le voile s'est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté. Dans l'Ancien Testament, Dieu était caché. Quand il était sur son propitiatoire, sur le propitiatoire, par un voile. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son temple. Mais les gens entraient et adoraient comme ceci. Mais souvenez-vous, il y avait un voile. Amen. Qui cachait Dieu. Il savait que Dieu était là. Il ne pouvait pas le voir. Cette colonne de feu n'est plus jamais réapparue là. L'avez-vous remarqué? Pas une seule fois dans l'Écriture, depuis le moment où cette colonne de feu est entrée derrière ce voile, elle ne s'est montrée de nouveau jusqu'à ce qu'elle vienne par Jésus-Christ. Dieu était voilé. Quand il était sur terre, il a dit, « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. » Ensuite, Paul, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, en route vers Damas, voilà cette colonne de feu qui était là de nouveau. Qu'est-ce que c'était? Elle était sortie de derrière le voile. Gloire à Dieu! Il avait été derrière le voile. Or, il avait été derrière quoi? Un voile de peau. Voyez-vous, des peaux de blaireau, derrière le voile. Et quand ce voile s'est déchiré, le jour de la crucifixion, que le voile qui l'enveloppait s'est déchiré, le jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous. Or, les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur et vil comme nous. Mais ils ne pouvaient pas voir celui qui faisait miséricorde, parce qu'il était caché. Il était derrière le propitiatoire, à l'intérieur, avec des peaux de blaireau suspendues qui le couvraient. Avant, si un homme, quel qu'il soit, pénétrait derrière ce voile, c'était une mort subite. Oh, nous allons dégager une leçon de là, dans un instant. Voyez-vous, si vous pouvez comprendre ce qu'il en est, de pénétrer derrière ces peaux, même l'un des fils d'un sacrificateur a essayé de le faire une fois, et il est mort. N'allez pas derrière ce voile. L'homme qui pénétrait derrière, pourquoi? Il n'y avait encore aucune rédemption là. Elle y était potentiellement. C'était seulement potentiel. Et tout ce qui est potentiel, ce n'est pas encore la vraie chose. Voyez-vous, ça l'est seulement potentiellement. C'était une rédemption. Le péché était couvert, pas omis, remis. Plutôt, pas remis. Remis, c'est supprimé et éliminé. Et donc, le sang des brebis et des boucs ne pouvait pas faire ça. Donc Jéhovah était caché derrière un voile. Or, derrière ce voile, là où il était caché, de pénétrer à l'intérieur, un homme tombait mort, d'essayer d'y entrer. Mais depuis la Pentecôte, depuis la crucifixion, quand ce voile a été déchiré du haut jusqu'en bas, pour cette génération, Jésus était ce Dieu voilé. Et quand il est mort au calvaire, Dieu a envoyé du feu et la foudre. Et il a déchiré ce voile du haut en bas, de sorte que tout le propitiatoire a été exposé au regard de tous. Mais ils étaient trop aveugles pour voir ce qu'il en était. Comme Moïse le disait ici, bien que, ou Paul le disait en lisant Moïse, quand on lit Moïse, encore maintenant, ce voile est jeté sur leur cœur. Oh, frères, sœurs, voilà ce que les Juifs ont fait. Quand le voile a été déchiré et que Dieu a alors été exposé au regard de tous, suspendu à la croix. Il était exposé au regard de tous, mais eux ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Serait-il possible que ceux des nations aient fait la même chose? Oh Dieu, alors qu'ils ont eu les âges de l'Église, le Fils de Dieu. Mais maintenant que ce voile des dénominations est tout,
que ce voile de la tradition que nous avons depuis la Pentecôte, que les traditions de l'Église ont été déchirées, les choses que les gens disaient, les jours des miracles sont passés et ces choses-là. Dieu a enlevé le voile de tout cela et il l'a exposé au regard de tous et ils sont prêts à le crucifier de nouveau. C'est tout à fait pareil. Le Dieu dévoilé, exposé au regard de tous. Ils auraient dû le voir alors qu'il se tenait là. Mais il était trop ordinaire. Il était un homme comme les autres. Il ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Voyez-vous, là se tenait un homme. Eh bien, ils ont dit, « Ce gars-là, de quelle école sort-il ? » Mais souvenez-vous, quand cette lance s'est enfoncée dans son corps, que l'esprit l'a quitté, le temple, les billots qui servaient au sacrifice ont été renversés, et la foudre s'est abattue comme un fouet sur le temple et a déchiré le voile. Qu'était-ce ? Leur Dieu était là, suspendu au calvaire. Ils étaient trop aveugles pour le voir. Il a été exposé au regard de tous. Et là encore, ils ne voient pas ce qu'il en est. Ils sont aveuglés. Dieu voilé dans un être humain. Vous vous souvenez? Ensuite, il est venu à Paul, après, et à Pierre, en prison, sous la forme de la colonne de feu. Vous vous en souvenez? Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme, voyez-vous, pour montrer la parole, la lumière. Les traditions du passé, elles seront anéanties. Rien ne fera obstacle à cela. La chose se fera de toute façon. Dieu va vraiment démolir ses dénominations et ses traditions. Quel genre d'esprit va-t-il utiliser pour le faire ? Comme ce qu'il avait fait la première fois. Regardez ce qu'il a fait à l'époque d'Élie, à l'époque de Jean. Ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez, n'allez pas penser, vu que je fais partie de ceci et que je fais partie de cela. Voyez, Dieu, il déchire le voile, voyez-vous, pour montrer qui il est. Voyez, observez le voile quand il se déchire ici maintenant. Nous voyons ce qu'il en est là. Bon, et à une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ce voile, c'était une mort subite. Maintenant, c'est de ne pas y pénétrer qui est la mort. Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans sa puissance, c'est la mort. Alors qu'à une époque, c'était la mort de pénétrer à l'intérieur. Maintenant, c'est de rester à l'extérieur qui est la mort. Tout le propitiatoire est là, exposé au regard de tous. N'importe qui peut le voir. Le voile est déchiré. Gloire à Dieu. Tout le propitiatoire est exposé au regard de tous. Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous? Quand il se cachait, c'était un mystère. Et maintenant, c'est exposé au regard de tous, ou à la vue de tous, révélé par sa parole. C'est toujours la parole, constamment, laquelle est Dieu. C'est la parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu la parole de Dieu le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le propitiatoire. Ils auraient vu qui il était. Qui était-ce donc? Pourquoi le voile s'est-il déchiré? Souvenez-vous, d'y pénétrer, c'était la mort. Personne ne pouvait le voir. Moïse l'a vu sous une forme. C'était un tourbe, c'était le dos d'un homme. Eh bien, le voici, le dos ensanglanté, le même homme. Qu'est-ce que c'était? Dieu voulait leur montrer le propitiatoire. Dieu voulait leur montrer qui il était. Alors le voile du temple, par la main de Dieu, d'en haut, il a été déchiré du haut en bas. Ce qui a exposé Dieu au regard de tous, c'était Jésus-Christ suspendu à la croix, le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens étaient trop aveugles pour le voir. Maintenant, la chose s'est répétée de nouveau.
leur tradition, la parole là qui est venue le jour de la Pentecôte et qui était sous la forme du Fils de Dieu. Ils ont formé une organisation à Nicée, Rome, et bien vite c'est passé aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes et tout. C'est une tradition organisée, si bien qu'un homme ne sait plus où il en est. Mais gloire à Dieu, il a fait une promesse dans les derniers jours ce qu'il ferait. Il exposerait sa parole au regard de tous, dévoilé devant nous de nouveau. Voyez-vous, il la dévoilerait. S'ils avaient seulement connu la parole, ils auraient su qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement d'écouter cette parole. Leur tradition, si les Juifs ont vu la chose comme ça, c'est à cause de quoi? De quoi? Il semble qu'ils auraient bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but. Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce moment? Comment peut-il avoir du succès? Comment peut-il être béni? Peu m'importe le nombre d'imitations qui en sont sorties. Et quoi d'autre? Ça ne... Quand Moïse est sorti, un mélange de gens de toute espèce sont sortis avec lui. Mais c'est fait dans quel but? C'est Jéhovah lui-même qui ôte le voile de sur Dieu pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Lequel? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou qui est dans le vrai? C'est la parole de Dieu qui est vraie. Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Dieu n'a besoin d'aucun interprète. Il en fait lui-même l'interprétation. Il la manifeste et c'est ce qui donne l'interprétation. Dieu qui se dévoile, oh là là, en plein là, au milieu de nous, nous voyons sa grande main qui annonce ces choses, qui fait ces choses. J'ai quelque chose à dire là-dessus ce soir. Voyez-vous, sur la façon de surveiller la main de Dieu, ce qu'elle fait, comment elle se dévoile. Voyez? Et les gens disent, « Oh, c'est insensé, c'est du fanatisme ça, ça ne vaut rien, c'est insensé, c'est Belzébul, c'est un démon, c'est de la divination, c'est ceci. » Voyez-vous, la même chose que ce qu'ils avaient dit de lui. « Oh, Église, et si on laisse sortir cette bande, ne pouvez-vous pas voir, ministre de l'Évangile, en quel temps vous vivez? Ne pouvez-vous pas voir l'heure où nous sommes ?» Dieu qui montre qui il est, qui met de côté, regardez, ce voile du temple, il l'a déchiré en deux, pour qu'ils puissent voir Dieu, exposé au regard de tous. Ils étaient trop aveugles pour le voir. Et il a fait la même chose aujourd'hui, en exposant sa parole en plein devant tous, ce qu'il avait promis. Chaque promesse de la parole, en plein devant nous, exposé au regard de tous. Vous savez ce que fait l'Église des nations? La même chose que ce que l'Église juive avait fait. Trop aveugle pour le voir, c'est tout. Le voile sera jeté sur leur cœur, comme à cette époque-là. Remarquez, d'en rester éloigné maintenant, c'est la mort. Vous devez y pénétrer par ce voile, sinon vous n'y pénétrerez pas. Dieu qui a pu leur faire miséricorde. Mais souvenez-vous de ce qu'il en était. Dieu manifeste maintenant ce qu'il y avait derrière ce voile. Observez ce qu'il y avait derrière le voile, la parole. Qu'est-ce qu'il voilait? La parole. Qu'est-ce que c'était? Elle est dans l'arche. C'était la parole que ce voile cachait. Voyez? Et Jésus était cette parole, et il est cette parole. Et le voile de sa chair la cachait. Et aujourd'hui, le voile de la tradition cache la parole de nouveau. Ils disent, ce n'est pas vrai, mais c'est bien vrai. Dieu en témoigne. Il fait retentir ce qu'il est, éclatant comme le soleil, devant tous, et ils ne le voient pas. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Le type de ça, Moïse, qui, après avoir été dans la présence de Dieu, revient avec la parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant, regardez bien, là, nous sommes dans Exode 19. Maintenant, ne manquez pas ceci. Exode 19,
Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu, ou 20 et 21, 19, 20 et 21, Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu. Il a pénétré dans la parole, la parole a été écrite. Et lui, dans la présence de Dieu, avec la parole, il avait la parole pour cet âge-là. Il y a une partie de la parole pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement. Voyez, la parole était en lui, prête à être manifestée, à être donnée au peuple. La parole véritable, Dieu l'avait écrite. Et elle était avec Moïse. Remarquez, elle était avec Moïse et elle était prête à être manifestée. Il était la parole pour eux. Il était la parole vivante, cachée. Il se voilait. Moïse devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Amen. Tant que cette parole n'était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Amen. Le voyez-vous? La parole, où qu'elle se trouve, elle est voilée. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau. Voyez? Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu. Eh bien, il n'était plus Moïse. Il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher jusqu'à ce que ce soit terminé. Il avait cette parole avec lui. Et donc, quand il est venu, les gens détournaient la tête. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils avaient été changés. C'était un personnage différent. Il venait avec cette parole et il mettait un voile, la Bible dit, sur son visage. Car il avait la parole, et il était la parole pour eux. Maintenant, regardez, si Moïse, oh frère, ceci va être offensant, mais si Moïse, comme Paul le disait ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3, si Moïse devait se voiler le visage avec une gloire comme celle-là sur lui, voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle. Il s'agissait là d'une loi naturelle. Et si Moïse, sachant que cette loi devait périr, mais la gloire était tellement grande qu'elle aveuglait les gens, alors il devait mettre un voile sur son visage. Combien plus grande sera celle-ci? Des gens aveugles spirituellement. Oui. Cette gloire-là était passagère. Mais cette gloire-ci ne passera pas. Voyez, Moïse avait les lois charnelles, la condamnation, aucune grâce ni rien. Elle vous condamnait, c'est tout. Mais ceci dont nous parlons, celle-là n'avait aucun pardon. Elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous fournit un moyen de vous en sortir. Et quand cette parole-là sera dévoilée, oh là là, quel genre de visage est-ce que ce sera? Il devra être voilé. Il faut qu'il soit voilé. Maintenant, remarquez. Donc, l'Esprit est voilé dans un temple humain. Voyez-vous, il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel. Maintenant, c'est Paul qui parle ici, là, et dans ce sens, la parole esprit. Nous sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables d'être ministres de l'esprit. L'esprit qui prend la lettre et la manifeste. Ça, c'était seulement la loi qu'il fallait aller regarder. Ça disait, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tu ne feras point ceci, cela ou autre chose. Voyez, il fallait regarder ça. Mais ceci, c'est l'Esprit qui vient sur la parole promise pour cet âge-ci et qui produit et manifeste non pas deux tables de pierre, mais la présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu'un aurait forgé ou un oudini quelconque, un tour, mais la promesse même de Dieu,
révélé et manifesté en plein devant nous. Derrière quel genre de voile est-ce que cela va être? Et de perdre ça, voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette colonne de feu et qu'il s'est mis à ébranler la terre et les choses qu'il a faites et la montagne qui était embrasée et même quiconque essayait de s'approcher de cette montagne périssait. C'était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors, si cette fois-là il n'a ébranlé que la montagne, cette fois-ci, il ébranlera les cieux et la terre. Qu'en est-il de cette gloire-ci? Si celle-là était voilée par un voile naturel, celle-ci est vraiment voilée par un voile spirituel. Alors, ne cherchez pas à regarder au naturel. Entrez dans l'esprit et voyez où vous en êtes. Voyez à quelle heure nous vivons. Est-ce que cela a du sens pour vous? Voyez-vous, c'est un voile spirituel qui est sur les gens, de dire « Je suis méthodiste, je suis aussi bon que n'importe qui, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. » Vous ne vous rendez donc pas compte que cette chose-là est un voile de tradition? Elle vous cache Dieu. Ce sont ces choses-là qui vous empêchent d'apprécier entièrement. Oh, vous dites « Je pousse des cris et je saute en l'air. » Il a dit « Toute parole. » Ève a cru toute parole, sauf une. Voyez, c'est la parole entière de Dieu, la promesse de cette heure, manifestée. Voyez, maintenant remarquez, alors que nous continuons à avancer, j'ai beaucoup de choses à dire là, mais j'ai une vingtaine de pages, mais de notes. Mais je ne vais pas les donner toutes. Voyez-vous, je vais me dépêcher. Il était voilé, couvert d'un voile naturel, avant de pouvoir annoncer la parole aux gens. Maintenant, Dieu doit se voiler comme il l'a promis dans la chair humaine. Dieu, saisissez-vous, Dieu doit se voiler dans la chair humaine et jeter un voile spirituel sur eux, de dire, eh bien, je suis ceci et je suis cela, pour pouvoir parler aux gens. Quand ce voile, qui est le voile de la tradition, est déchiré, alors, ce qu'ils disent, eh bien, les jours des miracles sont passés. Un gars me disait l'autre jour, un petit prédicateur baptiste là-bas, il est venu me voir, frère Green, et il disait, frère Branham, voici une chose que j'ai à vous reprocher. Il disait, vous essayez d'amener les gens à... C'était à l'auberge Ramada, que nous avons fait la réunion là-bas. Il disait, vous essayez d'amener les gens à croire à un âge apostolique, à vivre aujourd'hui comme s'ils étaient à l'âge apostolique. Il disait, l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. J'ai dit, ah oui? Oui. J'ai dit, qui a été le porte-parole de l'âge apostolique? Il a dit, les 12 apôtres dans la chambre haute. J'ai dit, dans ce cas, ça élimine Paul. J'ai dit, le porte-parole, c'était Pierre. Et Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont vu tout ce qui se passait, et le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera jamais. S'il appelle toujours, alors la même chose est encore ici. Quand l'âge apostolique a-t-il pris fin? Alors, l'âge apostolique prend fin quand Dieu a fini d'appeler. Il n'a pas dit un mot, il a juste pris son chapeau et il est parti. C'est seulement par la parole. C'est par la parole. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Voyez, c'est ça, il est écrit. J'ai dit, Pierre a dit qu'il ne se terminerait jamais. En aussi grand nombre que le Seigneur appellerait, cette bénédiction allait être pour eux. Maintenant, vous dites, il a arrêté. Quand? Sans rancune? J'ai dit, non, monsieur, absolument aucune. Allez. Bien, voyez, Pierre a dit que c'était pour tous ceux que Dieu appellerait, qu'ils allaient recevoir la même bénédiction apostolique. Ça, c'est la parole du Seigneur. Voyez, maintenant, le voile naturel. Dieu, la parole, voilée dans la chair humaine. Qu'est-ce que c'était? Dieu était voilé dans Moïse. Dieu était en Moïse, voilé, et la présence de Dieu était en lui. Avec cette parole en lui, comme ça, il était tellement parfait
qu'il devait se voiler le visage. C'était un prophète confirmé qui a dévoilé la parole et qui leur a dit, tu ne feras pas telle chose, tu feras telle chose et tu ne feras pas telle chose. Voyez? Pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain. Sinon, la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. Voyez? Même les gens qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas supporter de voir ça. Dans Exode, c'est ce que nous voyons. Ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas tellement souvent? Voyez, Dieu a dit, c'est ce que je vais faire. Je vais leur susciter un prophète. Amen. Je vais leur en susciter un. Et il est venu précisément. Je vais susciter et il sera la parole. Il a dit, s'ils veulent voir ce qu'est la parole, il a dit, maintenant Moïse, je te suis apparu là-bas dans ce buisson ardent. Il a dit, je vais descendre embraser cette montagne. Il a dit, ils verront que tu as dit la vérité. Je vais apparaître ici par ce même moyen du feu. Je vais apparaître ici et prouver aux gens. Je vais confirmer ton ministère. C'est ce qu'il a dit à Moïse ici, en autant de mots. Remarquez, il a dit, maintenant je vais te glorifier aux yeux du peuple. Il a dit, bon, tu leur as dit que je t'avais rencontré là-bas dans un buisson ardent. Maintenant je vais descendre, le même feu. Et je vais faire voir aux gens que tu n'as pas menti à ce sujet. Vous pourrez le prouver par la science même, si vous voulez. Voyez, je vais descendre en plein là et leur faire savoir. Et quand il s'est mis à tonner, quand Jéhovah a commencé à tonner, les gens ont dit, non, 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 que Jéhovah ne parle pas, nous mourrons. Voyez-vous, il fallait qu'il soit voilé. Alors Dieu s'est voilé dans Moïse, et il a donné la parole à Moïse. Et Moïse est descendu et a prononcé la parole du Seigneur avec un voile sur son visage. Pas vrai? Jéhovah, voilé sous la forme d'un prophète. Parce que ça aurait absolument... Et Dieu a dit qu'il ne leur parlerait plus comme ça. Il leur parlerait seulement par un prophète. Ce serait le seul moyen qu'il prendrait pour parler à partir de là. C'est le seul moyen qu'il a jamais pris pour parler. C'est exact. Jamais par aucun autre moyen. Il ne ment pas. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Or, ce n'est pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens, ou ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un prophète. La parole ne peut pas venir à Josué. Elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'heure. Remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'est pas parti. Non, monsieur. Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un. Voyez? Donc, Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Regardez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur de ce voile. Des imitateurs, voyez? Femmes, hommes, prêtres, peu importe qui, combien saints, combien hommes, combien honorables, combien ils l'étaient. Il a adressé la mise en garde. Que Moïse vienne seul. Et si un homme, un animal même, y touche, il devra être tué sur le champ. Ne pénétrez jamais derrière ce voile. Ce voile appartient à une seule personne. Ce message est un. Voyez, dans le temple, un seul homme y entrait, une fois par an, loin et préparé à y entrer. Pas pour ressortir avec la parole, mais pour offrir du sang, même pour pénétrer à l'intérieur, devant cela, un seul. Tout autre homme mourait. Voyez, maintenant, il meurt spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel.
Voyez, celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Voyez, ils continuent à entrer là-dedans sans hésiter. Vous avez beau leur dire, « Oh, je le sais, mais je... » Voyez-vous, allez, c'est dans l'ordre des choses. Ça ne fait que montrer. Vous vous souvenez, en Égypte, la dernière plaie, c'était la mort avant l'Exode. La dernière plaie sur la terre, c'est la mort spirituelle avant l'Exode. Ensuite, ils seront incinérés et retourneront à la poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière chose, c'est la mort spirituelle, de rejeter la parole. Alors remarquez, Dieu a dressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile de feu. Moïse devait être voilé. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais voici qu'il pénètre dans la colonne de feu. Voyez, amen. Et il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme, voilé. Le voici qui sort en marchant. Oh là là, je peux le voir. Il a adressé une mise en garde que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Vaudrait mieux pas, voyez, que ce soit même un prêtre ou un saint homme ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque, quoi que ce soit d'autre, s'il essayait de pénétrer à l'intérieur de ce voile, il mourrait. Dieu les a mis en garde. Nous n'accepterons aucune imitation. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur, dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'Écriture. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil, même dans les âges de l'Église, du tout premier au dernier. Les autres ont leur place, c'est vrai. Remarquez, mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Voyez, quelle leçon nous apprenons ici. Voyez-vous, tout le monde voulait être un Moïse. Et tout le monde, vous vous souvenez de ce que Dathan et les autres ont dit là-bas? Ils ont dit, allons Moïse, attends un petit instant là. Tu en prends trop sur toi, vois-tu? Allons, il y a d'autres hommes ici que Dieu a appelés. C'est vrai, chacun d'eux, ils suivaient bien. Tant qu'ils suivaient, mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestinée et établie pour ce travail, il a essayé de la prendre, le feu est descendu, il a ouvert la terre et les a engloutis d'un coup. Voyez, voyez, faites attention, voyez, soyez simplement un bon chrétien de Dieu, rempli de piété, qui croit la parole. Voyez, tenez-vous loin de cette colonne. Quelle leçon! D'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs là, pendant un instant. D'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé. Dieu était dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Voyez-vous, comme derrière les pots. Voyez-vous, là-bas, au propitiatoire, à l'autel. Voyez, il était voilé, il est toujours voilé. Et quand il est venu à Moïse, il était dans une colonne de feu, voilé dans la colonne de feu. Mais ici, devant les gens, Dieu l'a confirmé par cette même colonne de feu. Voyez, Moïse a dit, maintenant regardez bien, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous laissez votre pensée aller très loin? Que celui qui a des oreilles entende. Voyez? Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu, quand il l'a appelé à son ministère. Moïse est venu le dire aux gens. Ils ne pouvaient pas le croire. Et pourtant, il avait fait les miracles et tout. Mais cette fois, c'est visiblement, scientifiquement, qu'il est apparu et qu'il a confirmé le ministère de Moïse. Comme quoi, c'était le même Dieu qui lui avait parlé,
parce qu'il est apparu sous la forme de la colonne de feu et a embrasé la montagne. Elle était venue à Moïse dans un buisson, lui avait parlé. Bien, la première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent, le voile. Devant les gens, Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par le voile, en se voilant avec le même feu. La même colonne de feu est descendue. De façon qu'ils puissent seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez? Seulement la parole. Ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Moïse, voyez-vous, Dieu avait tellement prouvé cette parole par Moïse. Voyez-vous, Moïse avait dit, Dieu avait dit à Moïse, « Vas-y, je serai avec toi. » Il est, « Rien ne te résistera. Je suis celui qui suis. » Moïse est allé et il a dit, « Peut-être que vous ne le croirez pas, mais Dieu m'est apparu dans la colonne de feu. » Et il m'a dit ces choses. Oh, on en a de toutes sortes, des choses semblables qui se passent. Pharaon a dit, voyons. Le pasteur Pharaon a dit, eh bien, tu as là un tour facile de magicien. Voyons, moi j'ai des magiciens ici qui peuvent changer un serpent, un bâton serpent. Venez ici les magiciens. Et ils sont venus là et ont fait la même chose. Moïse le savait. Rien ne l'a fait broncher. Le nombre d'imitateurs qu'ils avaient, ça ne changeait absolument rien. Moïse est resté bien tranquille. Tout à coup, ils se sont promenés en rampant pendant un bout de temps. Et à un moment donné, le serpent de Moïse a avalé les autres. Voyez, pourquoi? C'est comme les apôtres. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Moïse ne savait pas comment Dieu allait le faire. Mais il allait le faire. Souvenez-vous, il a dit que Jambres et Jannès reviendraient dans les derniers jours. Voyez-vous, des imitations. Et cela séduirait même les élus, si c'était possible. Matthieu 24, 24. Voyez, exactement les mêmes choses. Qu'ils feraient le même genre de miracle et tout. Gardez l'œil sur la parole. Gardez l'œil sur la parole. Un homme dit qu'il fait un miracle. Et il veut quand même croire qu'il y a trois dieux et qu'il y a toutes ces choses-là. Éloignez-vous de ce genre-là. Nous savons que ça, c'est faux. Voyez-vous, ce n'est pas ça du tout. Voyez, la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la Genèse, une seule parole. Ici, il est dit, ne retranchez pas et n'ajoutez pas une seule parole. Voyez-vous, il faut que ce soit cette parole, telle qu'elle. Voyez. Remarquez, les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Moïse avait été voilé en tant que... Il était un prophète et Dieu avait maintenant confirmé sa parole. Il est allé là-bas et il avait vu des signes et des prodiges. Ensuite, bon, ces gens se sont séparés. Une église. Voyez-vous, église, ça veut dire appeler à sortir. Voyez, après qu'ils ont été appelés à sortir du monde... Et qu'ils sont devenus un peuple, voyez-vous, alors Dieu s'est fait connaître, comme quoi il était cette colonne de feu. Il a prouvé le message de Moïse, voyez, il était la colonne de feu. Peut-être qu'ils auraient pu la prendre en photo, j'imagine, s'ils avaient eu des appareils photo, parce que c'était tout en feu. Mais ils ont prouvé que, Dieu a prouvé que le message était vrai, le message était là, tout était là. Ils allaient bientôt partir dans l'Exode. Il a voilé son prophète pour ce peuple de l'Exode. Les gens, pensez-y, ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant différent des autres Israélites. Il était quelqu'un de différent. Son message était différent. Il était différent des sacrificateurs. Il était différent de tout. Voyez-vous, il était une personne différente. Les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Dieu s'était voilé dans son prophète pour leur adresser ses paroles. Voilà ce qu'il avait fait. Moïse était cette parole vivante pour les gens, voilée par la colonne de feu, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux de blaireau. Voyez, la parole devait venir de Moïse d'abord. Voyez, Moïse avait la parole. Elles étaient écrites par Dieu. Personne ne pouvait les interpréter.
C'est Moïse qui devait les interpréter d'abord. C'est pour cette raison qu'il se voilait le visage, parce qu'il... Le voyez-vous? Voyez, elle est ici. Nous pourrions la prendre, la porter, et tout le reste là. Mais elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour le peuple. Vous dites, c'est insensé. Tenez, il a dit, il l'a même dit à Moïse lui-même, « Tu seras Dieu, et Aaron sera ton prophète. » Voyez, alors, il est venu là, voyez-vous, il fallait qu'il se voile, parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh là là, le voyez-vous? Dieu est caché du public. Il a dit, « Père, je te rends grâce, tu l'as caché aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux petits-enfants, à ceux qui veulent apprendre. » Voyez, Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la parole vivante, voilée à cette époque-là. Les gens ont vu cette colonne de feu. Ils ont dit, maintenant, nous sommes convaincus. Voyez, que Moïse parle. Voyez, que Dieu ne parle pas, de peur que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu. Voyez, et il a dit, là, il a dit, maintenant, je ne vais plus leur parler comme ceci. Je vais leur donner un prophète. Voyez? Et c'est comme ça qu'il a toujours fait. Voyez? Il a dit, maintenant qu'ils y aillent. Mais le prophète en question doit avoir cette parole. S'il est voilé par une tradition, Dieu ne l'a jamais envoyé. S'il est voilé par la parole, Dieu va le confirmer. Dieu interprète sa propre parole. Moïse les prononçait, Dieu les interprétait. Amen. Moïse disait, le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur faisait précisément ce qu'il avait dit, ce qui prouvait que c'était vrai. Maintenant, il a dit, maintenant Moïse, tu comprends. Les gens comprennent maintenant. Tu vois, je t'ai présenté, je t'ai confirmé. Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant pour eux, la parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Voyez? Et savez-vous que c'est la même chose pour un chrétien véritable, qu'il est voilé aujourd'hui aux incroyants? Ils voient ces femmes qui ont les cheveux longs et tout. Ils disent que c'est... Regardez-moi cette antiquité. Les femmes qui relèvent leurs cheveux en chignon, ils disent, vous avez un pneu à plat, une roue de secours sur la tête. Voyez-vous, c'est complètement voilé. Ils sont aveugles. Oh, ils disent, j'ai un doctorat en philosophie. Peu m'importe ce que vous avez, vous êtes quand même ignorant de la parole. Tout à fait exact. Oh, ça, c'est juste quelque chose de secondaire. Commencez par les petites leçons. Que dire des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et qui prêchent une tradition d'église? Oh, miséricorde, bonté, alors qu'on ajoute et retranche et tout le reste, qu'ils injectent leur propre sujet et leur propre pensée et non la parole de Dieu. Voyez-vous, quel genre de voile est-ce? Ça, c'est d'avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là. Ils disent, les prophètes, ça n'existe pas. En ces derniers jours, les apôtres et les prophètes, ça n'existe pas. La guérison divine, ça n'existe pas. Les voyants, ça n'existe plus. Marc 16, qui s'accomplirait maintenant, ça n'existe pas. L'âge apostolique a pris fin. Ils l'ont voilé aux gens. Mais Dieu est venu en plein là, avec son Saint-Esprit de feu. Et il a déchiré cette chose-là, du haut en bas. Dieu a déchiré le voile. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? Donc là, la parole a été donnée. Ensuite, elle a été écrite. Ensuite, elle a été cachée. Et elle l'est encore, voilée, car Dieu a toujours été dans cette parole. Amen. Il est la parole, toujours. Il était dans cette parole. C'est pour cette raison que cette parole devait être voilée. Oh, frères, sœurs, le saisissez-vous? Regardez, ne voyez-vous pas?
Elle a été voilée au long de ces âges, conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces sept sceaux seraient brisés, et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé tout au long, l'heure du message du septième ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie en cette dernière heure. Christ, qui est mis à la porte de son Église, le Fils de Dieu, qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau. L'Église qui doit être mise en ordre et tout pour le dernier jour, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la parole, vivant dans l'individu. J'en prendrai un et j'en laisserai un. Je prendrai celui-ci et je laisserai celui-là. Voyez, il y a seulement, il n'y a pas d'attache, pas de dénomination, pas de servitude, ni rien. C'est le cœur attaché à Dieu et à lui seul. Voyez, remarquez, voilé dans une chair humaine, Moïse, avec cette parole, annonçant ce qui, plus tard, allait être mis derrière une peau de blaireau, afin que, de même, Christ est notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu, voilé dans une chair humaine, voilé dans l'humanité, dans la chair. C'est exact. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireau. Il était voilé. Et cette fois, il était voilé dans un homme. Voyez, maintenant remarquez, le même hier, aujourd'hui et éternellement, sa parole qu'il avait promise pour cet âge-ci. Il est encore Christ, la parole promise pour cet âge-ci, voilé dans une chair humaine. La parole est Dieu. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Voyez-vous, le oint. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque, avec une portion de la parole pour ce jour-là. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme oint rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, et toute la parole, et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement, et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il était le oint. Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la parole promise pour cet âge-ci, doit aussi être voilée. Remarquez, les pécheurs et les membres d'Église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu le voir. Voyons, c'est un homme. D'où sort-il? Quelle carte de membre a-t-il? De quelle Église fait-il partie? Je veux parler de ça ce soir. De quelle Église fait-il partie? Voyez? Alors, voyez-vous, donc, de quelle Église fait-il partie? De quel groupe? Quelles études a-t-il faites? Où a-t-il reçu son instruction? Eh bien, cet homme est né, selon la tradition, selon la légende qui circule à son sujet ici, cet homme est né hors du mariage. Voyons, c'est sûr, il est du diable. Voyez-vous, il est du diable. Il est né hors du mariage. Joseph l'a épousé seulement pour l'empêcher d'être lapidé, parce qu'elle était une femme adultère. Et cet homme-là vient nous dire quoi faire à nous, les sacrificateurs? Et Dieu était là, révélant cette parole, s'écriant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les cantiques même qu'ils chantaient dans le temple, ceux que David avait composés pour eux des années auparavant, et qui se rapportaient à Christ. « Tous mes os me regardent, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et ils étaient là à chanter ça, alors que l'homme en question se mourait sur la croix. Et quand ils ont eu fini et que, quand il est mort, le Dieu du ciel est descendu, comme il l'avait fait sur le mont Sinaï, avec le feu sacré, et il a brûlé le voile de ce temple, du haut en bas, il l'a déchiré. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Regardez par la fenêtre du temple, là, au calvaire, et Dieu était là, exposé au regard de tous, le sacrifice. Mais encore aujourd'hui, il ne voit pas ce qu'il en est. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré ses traditions, et il a exposé la parole pour cet âge au regard de tous. Ils ne savent toujours pas ce qu'il en est. Ils ne savent vraiment pas ce qu'il en est.
C'est tellement simple. Voyez-vous, c'est tellement simple, vraiment. C'est tellement étranger aux choses du monde. L'autre jour, je prêchais à une certaine réunion sur être un cinglé. Un de ces jours, je voudrais parler de ça, d'être un cinglé. On est tous cinglés à cause de quelqu'un. Alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu'on le considérait comme un fou. C'est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un écrou pour maintenir les choses en place. Voyez, c'est exact. Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux attachés à leur tradition, ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était, parce qu'il était un homme. Pourquoi? Cette chair humaine qui cachait Dieu. Or, s'il avait été une grande colonne de feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande colonne de feu était descendue et leur avait montré ce qu'il était cette grande colonne de feu, ça, il aurait peut-être cru. Si Jéhovah avait circulé un peu partout, mais vous voyez ce qu'il a fait pour pouvoir contourner tous ces gens intelligents, sages. Il s'est simplement révélé tel qu'il l'avait promis à Moïse. Voyez-vous, je leur parlerai par un prophète. Et il l'était, fils de l'homme, un prophète. Et certains l'ont reconnu. Environ 0,1% du monde l'ont cru. Les autres, non. Mais c'est ce qu'il était quand même. Mais le Dieu puissant était là, exposé au regard de tous. Le propitiatoire, il est mort. Alors que ses propres enfants disaient, ses propres enfants étaient là qui disaient, « Nous ne voulons pas de lui, qu'il s'en aille !» Ils ont craché sur lui. En type, bien longtemps avant, David, quand il avait quitté le temple, un roi rejeté, il descendait la rue, et une espèce de petit infirme qui marchait en se traînant, qui ne l'avait jamais aimé, l'a traité de vieil hypocrite, ou quelque chose comme ça. Il lui a craché en plein visage, et le garde a dégainé son épée. Il a dit, « Je laisserai la tête de ce chien sur lui, et il a craché sur mon roi ?» David a dit, « Laisse-le, c'est Dieu qui lui a dit ça. » Et probablement que David ne savait pas ce qu'il disait. Il est monté sur la montagne et l'a regardé là-bas en pleurant. 800 ans plus tard, le fils de David gravissait la même montagne. Il regardait au loin en pleurant sur Jérusalem, un roi rejeté. Et ils lui ont craché au visage. Ne voyez-vous pas? C'est la même chose. Vous voyez cette parole qui continue à s'enchaîner? Qui continue à se dérouler aujourd'hui, toujours rejeté par la majorité, voyez-vous, et cru par la minorité. Donc, voyez-vous, ils ne pouvaient pas croire ça. Ces Grecs, ils ne pouvaient pas le voir. Il était dans son temple humain. Voyons, ils disaient, cet homme-là, son nom est Jésus. Il vient de Nazareth. Or, à cette époque-là, les gens n'avaient qu'un nom. Par exemple, Jean, Jim, ils disaient, Jean de Jeffersonville, Jim de New Albany, ou quelque chose comme ça, vous voyez? Il disait, celui-ci est Jésus de Nazareth. Tout le monde dit que sa mère a été fécondée par un soldat. Voyez? Et alors, c'est exactement ce qu'il croyait, certainement. Et disons, il disait là, celui-ci est Jésus de Nazareth. Vous voyez? Qui est-il? Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre ça. Mais tenez, cette parole pour ce jour-là, quand il prêchait, il a dit, « Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de qui je suis. Si vous ne pouvez pas croire en moi, oubliez ce que je suis comme voile. Croyez la parole qui est apportée. » Deux témoins, c'est une attestation. Il a dit, « Je parle et le Père témoigne de moi. » Amen, c'est exact. Je parle de la parole de ce jour-ci et le Père la confirme. Alors, pour vous, est-ce que c'est une attestation? C'en est une, voyez-vous. C'est de cette façon qu'elle doit s'accomplir. Remarquez, dans 2 Corinthiens, maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 6, « Le vieux temple logeait Dieu, dissimulé au regard des Juifs, derrière des vieilles peaux. » Quand le vieux voile a été déchiré, là encore les Juifs, aveuglés sur qui il était et sur qui il est encore aujourd'hui. Et puis la Pentecôte a révélé qui était le Dieu vivant et vrai, quand ce voile a été coupé en deux par Dieu à partir du haut. Pourquoi est-ce arrivé à ce voile? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi un tel message est-il venu aujourd'hui afin de faire ce qu'il a fait?
Pourquoi est-il venu? Pourquoi quelqu'un allait m'appeler l'autre jour, voulant contester avec moi au sujet de l'âge de l'Église, comme quoi Dieu était dans sa sainte Église, et des choses semblables. Quand j'ai su que c'était une femme prédicateur, alors j'ai simplement oublié tout ça. Voyez-vous, s'il s'était agi d'un homme qui aurait été correct, ça aurait été différent. Mais alors, mais à quoi ça sert d'aller au loin, dans un autre pays, là, alors qu'il faut que je laisse une réunion ici pour le faire? Voyez-vous? Alors je les laisse simplement faire. Un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans une fosse. Alors maintenant, dans cet âge-ci, alors que le vieux voile de la dénomination et de la tradition qui couvrait la parole de Dieu a été déchiré, pour qu'elle puisse être manifestée. Vous voyez ce que je veux dire? La tradition dit, toutes ces choses-là, c'est du passé. Laissons pénétrer cela un peu. Ces choses sont du passé. Mais en ce dernier jour, ce voile de la tradition a été complètement déchiré. Et ici se tient la colonne de feu. Voyez? Il est ici en train de manifester la parole de ce jour-ci. Le voile est déchiré. Or, le monde, il n'y croit toujours pas. Quoi qu'il en soit, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Ça n'a pas été envoyé pour eux. Souvenez-vous, ce n'est pas le Fils de Dieu qui a été révélé à ceux de Sodome. Ce sont deux messagers qui l'ont été. C'est exact. Mais ce Dieu lui-même, dans une chair humaine, a été révélé à Abraham, l'élu. Et regardez bien ce qu'il a fait pour se révéler. Et là, Abraham a reconnu. Quand il a su ce que Sarah avait dans sa pensée, derrière lui, il a dit, il a appelé Elohim, ton serviteur. Remarquez donc, pour qu'elle puisse être manifestée, la parole, pendant toutes ces années, il y a eu un voile sur elle, devant les gens. La chose n'est pas faisable. Vous vous souvenez de ma prédication, ce que j'ai prêché le matin où je suis parti, la première fois? Au sujet de Goliath et David, j'ai dit, regardez le challenger là-bas qui dit que les jours des miracles sont passés. Observez ces bandes, comme elles se sont enchaînées. Observez chacune, comme tout cela devient de plus en plus clair. Si vous avez des oreilles pour entendre, voyez-vous, des yeux pour voir. Qu'est-ce? J'ai dit, il y a cet imposant monde ecclésiastique là-bas, en cet âge scientifique, qui dit que la chose n'est pas faisable. Mais j'ai dit, Dieu, dans cette lumière qui n'avait encore jamais été photographiée, sauf une fois, elle n'avait encore jamais été photographiée à ce moment-là. C'était sur la rivière, là-bas. Ils ne l'ont pas prise en photo, voyez? J'ai dit, il m'a dit que la chose se ferait. Il lancerait son appel et cela se répandrait dans toutes les nations. Même le docteur Davis, il disait, « Toi, un élève de septième année, tu n'as fait que des études primaires, et tu vas prier pour des rois et des monarques et lancer un réveil qui va se répandre dans toutes les nations. » J'ai dit, « C'est ce qu'il a dit, et la chose s'est faite. » Voyez, voyez, la chose s'est faite. Voilà, c'est ça. Il n'a besoin d'aucune interprétation. Il l'a fait. Voyez-vous, il l'a fait. Déjà, ça s'interprète tout seul. Voyez-vous? Appelons ces élus, voyez-vous, de tous les milieux. Maintenant, c'est manifesté. J'ai dit que David, il était là, un petit maigrichon avec le dos tout courbé, une fronde à la main. Mais Saül l'a regardé, lui qui était à la tête de l'association pastorale. Il a dit, « Mais toi, tu n'as même pas de formation. » Il a dit, « Voyons voir si je peux te fournir un doctorat en philosophie ou quelque chose. » Il l'a revêtu d'une armure. Il a constaté que ça ne convenait pas à un homme de Dieu. Il a dit, « Débarrassez-moi de ça. » Il a dit, « Je ne sais rien de ces choses-là. » Il a dit, « Laissez-moi y aller avec ce que je connais, ce avec quoi j'ai combattu le lion, ce avec quoi j'ai combattu l'ours. » Il était plutôt du genre homme des bois. Il a dit, « Laissez-moi y aller comme ça. » Et le vieux Goliath a dit, « Est-ce que vous envoyez un chien pour me combattre ?» Il a dit, « Je vais te piquer au bout de ma lance et suspendre ton cadavre là. » Laissez les oiseaux le manger. David a dit, tu marches contre moi en Philistin, avec une armure et une lance. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez bien le prophète David. Il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête de sur les épaules. Amen. Oh là là, il savait ce qu'il avait, en qui il avait cru.
et il avait la pleine conviction que celui-là avait la puissance de garder son dépôt. Voyez, quoi qu'il en soit, donc, la chose est arrivée. Le vieil adage, les jours des miracles sont passés, les murs ont été démolis. Jéhovah est toujours là, exposé au regard de tous, manifestant sa parole, celui qui est dévoilé. C'est exact. Remarquez, l'Église des nations aussi, elle a été aveuglée devant ce voile, après qu'il a été déchiré et qu'il a laissé voir Dieu, le voile ecclésiastique. Comment ça? Parce que la parole a été voilée dans l'être humain de nouveau. Voilà précisément ce qu'Israël n'est pas parvenu à voir. S'il s'était agi d'un ange ou quelque chose, Israël y aurait cru. Mais étant donné, ça ne pouvait pas être un ange, il fallait que ce soit un homme. Amen. Dieu ne peut pas manquer à sa parole. Dans les derniers jours, ce doit être la même chose de nouveau. Voyez, qu'est-ce qui a aveuglé Israël? Cet homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et aujourd'hui, parce que le message est venu par le moyen de l'homme et non des anges. Voyez, Dieu ne peut pas changer sa manière de faire, changer sa parole. Il a dit qu'il ne changeait pas. Voyez, remarquez, c'était promis. Et aujourd'hui, ceux des nations sont tout aussi aveuglés qu'Israël a été. À cause de quoi? Du voile. Dieu voilé dans un être humain. C'est ce qui a aveuglé Israël. Remarquez, comme toujours, l'un est aveuglé. L'un sera aveuglé par cela, l'autre, la vérité lui sera révélée par cela. Cela fermera les yeux à certains et ouvrira les yeux à l'autre. Regardez, Jésus s'est tenu là et il a dit, « Eh bien, ton nom est Simon, et le nom de ton père était Jonas. » Il a dit, « Seigneur Dieu. » Voyez, Philippe, il a dit, « D'où me connais-tu ? » Il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu ? » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Il a dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Eh bien, il y avait ceux qui se tenaient là, ils ont dit, « C'est Belzébul. » Voyez, qu'est-ce que cela a fait ? Ouvert les yeux de l'un, aveuglé l'autre. Qu'est-ce que les sacrificateurs ont dit ? Voyons, ce gars-là, c'est Belzébul. La petite femme a dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Oint. » Tu vois, le Oint viendra. Nous n'avons pas eu de prophète. Tu dois être prophète, mais le Oint viendra. Nous l'attendons. Ce sont les derniers jours pour ceux des nations, ou pour les Juifs. Elle a dit, « C'est le dernier jour. » Voyez-vous, les Samaritains, aussi bien que les Juifs, attendaient la venue d'un Messie. Voyez, elle a dit, c'est le moment où il doit paraître. Nous savons que quand il sera venu, il fera ces choses. Il nous annoncera ces choses. Il a dit, je le suis. Ses yeux ont été ouverts. La police, les prêtres ont été aveuglés. Voilà ce que l'Évangile fait toujours. Il ouvre les yeux de certains, révèle la vérité à certains, alors qu'il aveugle les autres. Il a deux sens. Certains, en plongeant les regards dans ce Fils, vont devenir aveugles. D'autres, en le faisant, vont repartir avec lui. C'est ça la différence. Comme ça a été le cas dans tous les âges, la divinité voilée dans une chair humaine. Remarquez, c'est ce qu'il a fait. Les prophètes, c'était la divinité voilée. Ils étaient la parole de Dieu, pas vrai? Voilés dans une chair humaine. Alors, ils n'ont pas fait attention à notre Moïse non plus. Voyez-vous, Jésus. Remarquez, voilés derrière les vieilles pots de blaireau dans le vieux temple, il y avait la parole. Il y avait la parole manifestée sur des tables de pierre. Maintenant, je vais essayer de m'arrêter dans une vingtaine de minutes là, si possible, pour qu'on termine à 11h30. Remarquez, si vous remarquez, j'ai tourné des pages ici, vous voyez, pour ne pas que j'abrège, que ce soit trop long. Je sais que vous avez chaud, que vous êtes fatigué. Derrière le vieux temple, à l'intérieur du voile, qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Jéhovah, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui était caché là derrière? Qu'est-ce que le voile cachait? Oh, alléluia! Qu'est-ce que le voile cachait ?
Il cachait la parole. Le voile des vieilles peaux de blaireau tenait cachait la parole à leurs yeux naturels. Là derrière, il y avait aussi les pains de proposition. Là derrière, il y avait aussi la gloire de la Shekinah. Mais tout cela leur était caché. Tout cela était caché. Toute la gloire de Dieu était là, derrière cette vieille peau de blaireau. C'est exact. Tout cela caché à l'œil naturel. C'est pareil aujourd'hui. On les traite de bons d'exaltés, de fanatiques. Mais ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Voilà ce qu'ils ne savent pas, voyez? Alors, quand Dieu, dans sa miséricorde, a déchiré le voile pour qu'ils puissent voir, ils étaient tellement absorbés par leur tradition que c'était encore caché pour eux. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est pareil maintenant. La gloire, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de la Shekinah qui vient sur le croyant. Je parle du vrai croyant là, qui produit les œuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la foi pour qu'il croie à la parole de Dieu. Tout ça, c'est caché aux yeux de ces gens-là. Ils disent, ces choses-là, c'est du passé. Vous voyez, ils vivent encore derrière le voile. Vous n'êtes plus derrière ce voile, petits enfants. Dieu est exposé à la vue de vous tous. L'autre jour, frère Fred Southman, frère Tom Simpson, je ne sais pas s'il a fini par arriver ou pas. Nous étions plusieurs à une église baptiste et le prédicateur a dit quelque chose qui sonnait assez bien. Nous avons tous dit « Amen ». Tout le monde dans l'église, le cou tendu, ils ont regardé en arrière. Voyez ? Voyez, nous avions trouvé une miette qui venait de derrière la Shekinah, là, vous savez, et nous étions pas mal contents de l'avoir eue. Nous avons dit, en d'autres termes, « Merci Seigneur ». Voyez, et à ce moment-là, ces gens-là étaient tellement voilés qu'ils se sont contentés d'en rire. Ils ne savaient pas du tout ce qu'il en était. Voyez, ils sont encore voilés. Donc, certains sont à l'intérieur et certains sont à l'extérieur. Donc, mais Dieu est à la vue de nous tous. Caché. C'est pareil maintenant. Alors, quand Dieu, dans sa miséricorde, a déchiré le voile, là, il a été exposé au regard de tous. Mais ils étaient tellement absorbés par leur tradition qu'il était encore caché à leurs yeux. C'est pareil maintenant. Toute cette gloire cachée est cachée pour nous en Christ, la parole, qui est notre temple. Oh, maintenant, je vais être obligé de creuser un peu ici. Pardonnez-moi tant d'émotions ce matin, mais, oh, il y avait si longtemps que j'avais à cœur d'apporter ceci. Ça brûle au-dedans de moi, voyez? Remarquez, toute la gloire qui est en Dieu est dans la parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. C'est caché à l'incroyant par les traditions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout cela est en Christ. Tout ce que Dieu était, il s'est déversé. Kenos. Et il est entré en Christ. Et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. Eh bien, je suis en Christ, vous dites. Et ensuite, vous croyez qu'il y a trois dieux? Vous baptisez au nom de Père, Fils et Saint-Esprit? Vous croyez à toutes ces traditions et toutes ces croyances que vous avez, des anciens? Non, vous êtes encore derrière le voile. Voyez? Entrez à l'intérieur du voile. Lui, Christ, est la parole. Comment? Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à ces miracles et aux choses comme celles-là. Eh bien, vous voyez, vous n'êtes pas à l'intérieur du voile. Vous n'en connaissez rien. Voyez? Christ est la parole. Et quand nous sommes dans la parole, nous sommes en Christ. Et comment est-ce que je peux être en Christ et nier Christ? C'est lui qui a dit, pas une seule parole n'y sera ajoutée, ni n'en sera retranchée. Alors, comment pouvez-vous retrancher et ajouter? Voyez-vous, ça vous montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez? Nous, en lui. Ensuite, nous, en étant en lui, là encore, nous sommes voilés aux gens religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre gloire que nous avons et que nous apprécions, là encore, nous sommes voilés à ceux de l'extérieur. Ils pensent que nous sommes fous. Encore, se cingler,
Voyez, voyez, c'est exact. Mais nous qui sommes à l'intérieur, ici, en Christ, entrez en lui par le baptême. 1 Corinthiens 12, entrez en lui. Nous sommes participants de cette gloire. Voyez, mais pas quand on est à l'extérieur. Vous regardez encore à l'intérieur tout en niant cela. Voyez, donc maintenant, nous sommes invités à entrer en lui pour être participants de tout ce qu'il est. Nous sommes invités à entrer en lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair humaine. Voyez, ils connaissent cette gloire. Ils lisent ce qui en est dit. C'est dans la parole ici, la gloire de Dieu, et ainsi de suite. Pour eux, ce n'est qu'une parole. Pour nous, c'est une manifestation. Voyez, ce n'est plus une parole, c'est une réalité. Amen. Dieu a dit que la lumière soit. Ça, c'était la parole. Mais maintenant, la lumière est là. Ce n'est pas la parole, c'est la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour nous, ce n'est pas seulement une parole écrite, c'est une réalité. Nous sommes en lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous le contemplons. Maintenant, nous le voyons. La parole, il se manifeste. C'est caché à ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est voilé dans la chair humaine. Voyez? Oh, ils disent, cette bande de gens-là, où sont-ils allés à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont comme instruction? Ou d'où sortent-ils? De quel groupe font-ils partie? Voyez? Hein? Voyez? Ils ne saisissent pas. Un homme disait à un autre homme l'autre jour, il disait, « Pour être un chrétien, vous devez faire partie d'une dénomination. » Il a dit, « Je suis un chrétien, je ne fais partie d'aucune d'entre elles. » Il a dit, « Dieu m'a débarrassé d'un cancer. » Il a dit, « Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» C'était un médecin. Il a dit, « Montrez-moi quelle dénomination arrive à faire ça. » Voyez, bien, voyez, c'est encore voilé. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais croyants le voient, lui, la parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. C'est une grande déclaration, si vous pouvez la saisir. Voyez, voyez, tous les vrais croyants qui sont dans la parole, voient Dieu ouvertement. Le voile est déchiré et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous manifesté. Voyez, Dieu manifesté ouvertement. Pour ce faire, le vieux voile de tradition de nos dénominations doit être déchiré de nouveau. Pour pouvoir réellement voir ce qu'il en est, vous devez sortir du milieu de ces choses-là. Voyez, vous n'y arriverez jamais. Ils tireront ce voile devant vous constamment, chaque fois. Oh, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais c'est écrit ici et c'est manifesté ici. Voyez, voyez. Maintenant, que dire d'un homme qui refuse de voir le soleil, qui dirait, « Oh, je sais que Dieu a dit là que la lumière soit, mais ça n'existe pas ça. Je vais descendre au sous-sol. Je refuse carrément de le voir. » Ce gars-là est fou. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il y a quelque chose qui cloche chez un homme ou une femme qui peut voir la promesse de Dieu et la voir manifestée et qui refuse ensuite de la croire parce que la dénomination fait descendre le voile. Voyez-vous, voilé. Pour ce faire, les voiles de tradition de nos dénominations doivent être brisés par l'esprit de feu de Dieu et son épée qui est sa parole. Sa parole est toujours son épée. Voyez, ce jour-là, il a pris son épée, tout enflammée, et il a déchiré le voile du haut en bas. Il fait la même chose avec la même épée aujourd'hui. Non pas mon credo, mon livre de credo, mon catéchisme, mais l'épée du Seigneur, voyez-vous, il déchire le voile en deux. Et vous voyez Dieu exposé à tous les regards, manifesté dans sa parole. Quel spectacle glorieux à contempler. Voyez, bien, le Saint-Esprit de Dieu est le feu, son épée déchire le voile. La parole déchire le voile dénominationnel. Eh bien, et si vous prononciez seulement la parole, et que la parole n'ait aucun effet, à quoi ça servirait d'avoir l'épée ici et dire, elle ne peut pas déchirer. Dire, hein, et que ça ne déchire pas. Mais quand vous posez cette épée de Dieu là-haut,
Regardez-la déchirée. Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous, elle déchire le voile en deux. Et voilà, il est là. Là, on peut voir Dieu clairement exposé au regard, le grand Jéhovah. C'est sa parole manifestée, la portion qui est promise pour le jour en question. Est-ce que vous saisissez? Voyez, quand l'épée, ce qui est promis pour aujourd'hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, que Dieu prend son épée et qu'il déchire le voile dénominationnel en deux et l'ouvre et qu'il se manifeste et montre qu'il est là. Toujours cette même colonne de feu. Remarquez, ça, c'est la parole manifestée pour les promesses d'aujourd'hui. Nous le voyons comme Pierre quand il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous après avoir vu ceci? Où irions-nous? À quelle église pourrions-nous adhérer une fois que nous sommes entrés dans celle-ci par naissance? » Voyez? Qu'est-ce que vous pourriez, à quelle dénomination pourriez-vous adhérer après avoir connu ces vérités, voyez-vous, alors que toutes, elles les nient, toutes. Je n'en connais pas une seule qui dira ou fera quoi que ce soit pour appuyer ceci. Exact, c'est exact. Quand j'ai commencé à faire ces voyages ici, 42 églises avaient parrainé la réunion dans une région. Et quand je suis arrivé, je n'en avais plus une seule. Toutes, elles ont dit, ils croient à la sécurité éternelle, ce qui a exclu les légalistes. L'une a dit, ils baptisent au nom de Jésus, ce qui exclut toutes les autres, voyez-vous. L'une d'elles a dit, ils croient à la semence du serpent, le serpent n'a pas de semence. Ce qui, la Bible dit, je mettrai inimitié entre sa semence et la semence du serpent. Vous le voyez? Le voile a été levé de sur la parole. Voyez, c'est exact. C'est révélé aux petits-enfants. Le voile est levé. Ils voient ce qu'il en est. Et ce sera comme ce qui a été dit une fois. C'est exact. Alors ce sera comme ce qui a été dit une fois. Quand vous voyez, quand ce voile est ôté de sur la parole, que les traditions sont ôtées de sur la parole, comme Jésus l'a dit une fois, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Voyez, Dieu et sa parole sont un. Maintenant, vous comprenez? Quand la parole est manifestée, qu'est-ce que c'est? Voyez, Jésus a dit, sondez les Écritures. Vous pensez avoir, vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, ces œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la parole est le Père, la parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre, uniquement les croyants. Vous pouvez prendre du blé et le planter dans une autre sorte de terre, il ne poussera jamais. Mais ce qu'il y a, il faut qu'il y ait certains engrais dans le sol pour cultiver du blé. Et s'il n'y a pas de... Si l'engrais dans ce sol n'est pas... Que ce blé n'a pas été fécondé pour réagir à cet engrais, il ne poussera jamais. Alors, où que la parole tombe, si elle ne tombe pas dans un cœur bien disposé, Jésus l'a dit, une partie tomba le long du chemin, dans les endroits pierreux, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Ensuite, il a dit, une partie tomba parmi les épines et les chardons, lesquels montèrent et l'étouffèrent aussitôt. Les traditions, les dénominations, les soucis du monde l'ont étouffée. Mais il a dit, une partie tomba dans la bonne terre et produisit au centuple. Il a dit, ça, c'est le royaume de Dieu. C'est la même chose, voyez-vous. Certains ne croiront pas du tout. Certains croiront pendant un petit moment, comme les disciples. Ils l'ont suivi, beaucoup d'entre eux. Les 70 l'ont suivi pendant des années, pour voir ce qu'il en était. Environ un an et demi ou deux ans, juste pour voir ce qu'il en était, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose en lui, comme un moyen qu'il aurait eu, un pouvoir pour faire ces choses, ou comme une patte de lapin, de magicien quelconque, ce qu'il pouvait faire pour produire ces choses, comment il pouvait savoir ce qu'il y avait dans le cœur des gens et ce qu'ils pensaient.
Et ils ont fini par découvrir qu'il avait dit qu'il était descendu du ciel, qu'il était lui-même la parole. Et à ce moment-là, ça, c'était trop fort pour eux. Ils ont dit, personne ne peut comprendre ça. Et ils se sont éloignés de lui. Voilà ceux qui sont tombés parmi les épines. On en revient à la même chose. Dans chaque assemblée, il y a des soi-disant croyants, des incroyants et des croyants. C'est ce qu'il y a toujours eu dans chaque assemblée. C'est ce qu'on trouve tout le temps. Certains font semblant d'être des croyants. Ça, c'est la pire catégorie. Et puis, il y a ceux qui sont réellement des incroyants. Lui, il ne vous causera pas d'ennui. Il va simplement s'en aller en secouant la tête. Mais ceux qui font semblant de croire, qui disent être croyants, c'est cette espèce-là. C'est cette espèce-là qu'il faut surveiller. Ces soi-disant croyants. Et puis, il y a des croyants véritables. Vous voyez les trois, là? Il y avait les incroyants. Dès qu'il a dit, « Mangez la chair du Fils de l'homme. » Oh, mon vieux, avec ça, c'était classé. Les autres, c'étaient des soi-disant croyants. Ils sont restés jusqu'à, comme Judas l'a fait, jusqu'à la toute fin. Par contre, les vrais croyants, eux, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Mais ils le croyaient quand même. Ils ont continué jusqu'au bout. Le voile de tradition des incroyants ôté. Vous voyez Dieu. Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de sa parole. Il tient encore sa parole. Il est le Dieu, auteur de sa parole. Il est caché aux autres derrière des voiles de peau. Oui, c'est exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le voile, il est encore derrière des voiles de peau. Remarquez, alors nous devenons une partie de lui. Puisque vous êtes le voile qui le couvre, vous êtes une partie de lui. Pourvu que Christ soit en vous, comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en lui. C'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, vous devenez une partie de Christ, pourvu que Christ soit caché en vous. À ce moment-là, c'est voilé à l'incroyant. Mais vous savez qu'il est en vous. Vous êtes le temple de Christ, qui est derrière le voile, la peau. Alors nous, derrière à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine, qui cache Dieu, la parole, à l'incroyant, comme il est écrit, voyez, écrite, vous êtes des épîtres écrites, dit la Bible. Or, une épître, qu'est-ce que c'est? C'est une parole écrite. Et vous êtes les épîtres écrites. Autrement dit, on le lirait comme ceci. Vous, ce qui est dit, vous êtes des épîtres écrites. Ou vous êtes la parole qui était écrite, manifestée. On ne peut rien y ajouter. Vous ne pouvez pas dire, je suis une épître écrite, tout en vivant d'une autre manière, autre que ceci. Ce qui a déjà été écrit. Parce qu'on ne peut rien ajouter, ni rien retrancher. Comme le docteur Livell est en train d'écrire ce fameux livre. Je veux que vous voyez ça, à un moment donné. Frère Veil est ici, sur les lieux, quelque part. Je l'ai vu dehors. Je ne pense pas qu'il a pu entrer. Mais il est en train d'écrire un livre, là, et c'est très impressionnant, sur l'âge de Laodicée. Et je veux que vous... Il sera publié sous peu. Donc, nous en sommes à la dernière correction des preuves. Et nous écrivions, nous en discutions là, voyez-vous, tout le monde vient toujours me voir en disant, « Frère Branham, ces sept tonnerres, quand la voix tenait, et qu'il a dit, ne l'écris pas, tu vois, mais scelle-le. » Ils disent, ça, ce sera sept tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours. Voyez-vous, sept tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu'il en est. N'est-ce pas que ça sonne vraiment bien? Voyez, mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Il a dit, garde-toi de l'écrire. Voyez, ces sept tonnerres font entendre leur voix, voyez-vous. Et il a dit, ne l'écris pas, vois-tu. Mais cela doit être scellé dans le livre jusqu'au dernier jour. Or, quelqu'un, bien des gens m'ont dit, et des théologiens m'ont dit, Frère Branham, si le Seigneur Dieu, ils ont dit, si, avec votre expérience,
que le Seigneur vous a donné pour son peuple. Je dis ceci humblement. Ils ont dit, vous seriez en mesure d'écrire vous-même une Bible, votre parole, si Dieu l'a manifestée. J'ai dit, c'est peut-être vrai. Voyez-vous, il essayait de me prendre au piège. Voyez, mais voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. Il a dit, pourquoi pas? Vous remplissez toutes les conditions. J'ai dit, mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée. Voyez? Et il a dit, eh bien, alors, ces sept tonnerres, vous voyez? Il a dit, ces sept tonnerres qui vont retentir, est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit, non, monsieur, ce serait d'y ajouter quelque chose ou d'en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans. Et ce sont les sept sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Voyez-vous, c'est encore dans la parole. Vous voyez, on ne peut pas sortir de cette parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle fera toujours ça. Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes. Ou vous êtes, je traduis cela, formulez comme ceci, voyez-vous, formulez-le autrement. Simplement, vous êtes des épîtres qui ont été écrites, parce qu'on ne peut rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes. La parole de Dieu manifestée, en d'autres termes. Pierre et Jean, pour vous montrer, quand ils sont allés là-bas, on a vu que c'était des hommes illettrés et du commun. Ils n'avaient pas d'instruction, mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez, ils étaient illettrés et du commun, mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé dans leur chair, manifesté, vivifié, comme il l'était dans Moïse. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez, tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque. Pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Voyez, c'est encore le même Dieu. Amen, amen. J'espère que ceci est reçu. Voyez, c'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile. C'est tout, voyez-vous, il met un autre voile. Il l'a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile. Revêtu un voile, jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traversé l'autre âge, finalement, ce qui émerge, c'est la totalité. Juste avant cela, un prophète apparaît de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole, en montrant ce qu'il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l'Église soit sans, ne soit pas sans comprendre. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, alors, comme Jean l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Alors, le tout en tout entre en lui, il est pleinement manifesté. Il est passé de Luther, Wesley, l'âge pentecôtiste, et de l'un à l'autre, il est pleinement manifesté. Vous voyez, l'enchaînement, simplement la manifestation. Dieu qui se dévoile, voyez-le, maintenant remarqué, entièrement réalisé dans les promesses qu'il avait faites pour ce jour-ci, comme il en avait été des autres. Or, Moïse était la parole en ce jour-là, parce que la parole lui a été donnée pour ce jour-là. Moïse, Joseph était la parole à son époque. Il était à l'image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun d'eux était la parole. Et quand Jésus est venu, il était la parole dans sa plénitude. Parce que tout le plan de la rédemption reposait en lui. Tout le plan de la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas en Élie. Voyez-vous, eux, ils étaient seulement une partie de la parole. Ils annonçaient ce qui allait venir. Voyez, maintenant, remarquez, gardez cette pensée en tête. Là, je vais lancer quelque chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le plan n'était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir. Par conséquent, après lui, la plénitude, nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Il s'agit d'annoncer celui qui est déjà venu,
la parole. Ceci est la révélation complète. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Voilà la révélation complète. Tout cela, c'était une ombre de celui qui allait venir. Mais quand il est venu, il était le parfait. Hébreux 1. Dieu à plusieurs reprises a parlé au Père par les prophètes. Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes. Mais en ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ. Voilà, dévoilé, là, au calvaire, le Fils de Dieu, dévoilé, remarquez, vivifié. Et aujourd'hui, quand la parole est manifestée dans des vases humains, des voiles, il s'agit absolument de la parole qui s'accomplit dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en lui par le baptême, conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec lui. Amen. J'avais dit une demi-heure, mais est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de temps? Voyez, regardez, je ne peux vraiment pas laisser passer ce point-ci. Remarquez, identifiez avec lui. Maintenant, remarquez, combien y a-t-il de citoyens américains ici? Levez la main. Bien, vous êtes un citoyen américain, alors vous êtes identifié avec cette nation. Tout ce que cette nation est, vous devez l'être. Pas vrai? Vous êtes toute sa gloire et vous êtes toute sa honte. Vous êtes identifié avec elle. Vous êtes américain, alors vous prenez l'identité de l'Amérique. Alléluia! J'étais avec George Washington quand il a traversé le Delaware. Je suis identifié avec lui. C'est exact. J'étais avec Abraham Lincoln quand il a prononcé son discours à Gettysburg. J'y étais. J'étais avec les soldats sur Guam. Vous les gars, quand vous avez hissé ce drapeau, j'y étais. Je suis américain, je suis identifié avec ça. Amen. Maintenant, à titre d'américain, quelle qu'ait été sa honte pendant la Révolution, je la porte. Parce que je suis américain. C'est exact. Et à titre de chrétien, je suis identifié avec lui. Amen. J'étais avec Noé quand il est entré dans l'arche. J'étais avec Moïse quand il est sorti de l'Égypte. Amen. J'étais avec Élie sur la montagne du Carmel. Oui, monsieur, gloire à Dieu. J'étais avec lui quand il a fait ça. Assurément, j'étais avec lui. Je me suis identifié dans sa mort là-bas au calvaire. Quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et à toutes les traditions, j'étais identifié avec lui. J'étais identifié avec lui le matin de Pâques, quand il est ressuscité des morts. J'étais identifié avec lui le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. J'étais identifié avec lui. Tout ce qu'il était, je le suis. Tout ce que je suis, il l'a été. Amen. Par notre mort en lui, nous sommes identifiés avec lui. Ce qu'il est, je le suis. Amen. Ce que cette nation est, je le suis. Je suis fier de l'être. Je suis prêt à porter sa honte. Je suis prêt à porter l'opprobre pour être américain. C'est exact. Et je suis doublement prêt à le faire pour Jésus-Christ. Tout ce qu'il a jamais été, je le suis. J'aime être identifié avec lui. Ses apôtres, quand ils sont revenus, ils trouvaient... On s'était moqué d'eux et on les avait traités de tous les noms. Ils trouvaient que c'était un grand honneur de porter l'opprobre de son nom. Je suis heureux aujourd'hui d'être l'un d'entre eux, identifié avec la parole qui est Christ, identifié avec lui. En lui, par le baptême, nous sommes alors identifiés, identifiés à sa ressemblance, identifiés avec sa parole qui est lui-même. Si je suis en Christ, je suis sa parole, car il est la parole, et ce qu'il est, je le suis. Amen. Est-ce que vous saisissez? Bien, la parole manifestée ou révélée par la révélation qui s'y trouve, alors qu'est-ce que cela fait de moi? S'il est cette gloire de la Shekinah, j'en suis une partie. Amen. Oh, amen, c'est exact. La parole elle-même révélée. Qui se révèle? Pensez-y, les mystères de Dieu qui se font connaître à nous en ce jour-ci par le même messager céleste
qui s'est fait connaître à eux en ces jours-là. Remarquez, la même colonne de feu qui a envoyé Moïse, la même colonne de feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible, la même colonne de feu que Paul a rencontrée quand il était en route vers Damas. Et Paul a écrit le Nouveau Testament. Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu'ils ont vu. Mais Paul a eu la révélation. Il l'a fait ressortir, car il avait rencontré la colonne de feu lui-même. Et pensez-y, la même, Joseph là, tous les autres ont écrit ce qui s'était passé. Chacun a écrit à l'époque. Mais quand Moïse est venu, il avait la révélation. Il avait rencontré la colonne de feu. Et il a été révélé à Moïse ce qu'il en était de la Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible. Moïse l'a fait. Pas vrai? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la colonne de feu, voilée dans la colonne de feu. Quand Paul l'a rencontré en route, les disciples ont seulement écrit ce qu'ils l'ont vu faire. Mais Moïse a eu la révélation. Il est allé en Égypte. Il y est resté 3 ans pour étudier. Et il a vu que le Dieu de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau. La révélation. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste. C'est exact, exact. Et pensez-y, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible. C'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui, en train d'interpréter la Bible. Amen. Comme nous l'en remercions. La même, quelle consolation, quelle identification. Je suis tellement heureux d'être identifié à cela. Je ne sais pas quoi faire. Je préfère être identifié à cela plutôt qu'avec tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens et tous les autres. Identifié à cette parole où se trouve la gloire de la Shekinah et la révélation. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le message comme vrai. Tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et il les avait conduits hors d'Égypte. Mais là, avant que les vrais commandements soient prescrits, que les sceaux soient apportés, Dieu est descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. Pas vrai? Dans une colonne de feu, que Moïse avait dit avoir vu dans un buisson et qui lui avait parlé. Oh, en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu en plein là, au milieu de nous, qui prononce la même parole. Non seulement ça, mais qui l'interprète en la manifestant et en prouvant qu'elle est la vérité. Donc, il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que ce soit volontairement qu'il veuille le faire. Et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. La grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28. Voici, je suis avec vous toujours. Qui accomplit Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Qui accomplit Luc 17, 28, 29. Dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé. Voyez, Malachi 4, voici je vous envoie Élie le prophète qui ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez, de quelle façon? Voyez, oh là là, il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, mourons à nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions et tout pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Remarquez, le vieux temple renfermait la gloire de la Shekinah et la lumière de la Shekinah était sur la parole. La parole est une semence. Elle a produit les pains de proposition destinés uniquement aux croyants. Le sang aussi était sur l'alliance. Et le sang, c'est l'eau. L'eau qui donne la vie au grain, au blé, à la semence, qui est la parole. Comme Jésus l'a dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain,
Et il a aussi dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périra pas. Moïse a frappé le rocher dans le désert pour sauver un peuple qui périssait ou pour faire jaillir l'eau. Dieu a frappé Jésus pour faire jaillir de lui l'Esprit pour un peuple qui périssait. Le sang est sorti de lui, c'est-à-dire l'eau de la purification par la parole. Et l'eau donne la vie à la semence. Et c'est ce qui a fait jaillir la gloire de la Shekinah, laquelle a brillé sur la parole, ce qui a produit les pains de proposition. Et les pains de proposition, c'était seulement pour un peuple choisi. Oui, pas vrai? Maintenant, en pénétrant à l'intérieur du voile, de l'autre côté du voile, dans sa présence, où se trouve la parole, pas le credo, la parole. Là, de voir la gloire de la Shekinah, la puissance, le Saint-Esprit qui brille sur la parole, qui produit la promesse, c'est ce qui indique que vous êtes derrière le voile. Amen. J'ai franchi les voiles déchirés, là où la gloire est intarissable. Alléluia, alléluia. Je vis dans la présence du roi. J'ai franchi les voiles déchirés, là où la gloire est intarissable. Je vis dans la présence du roi. La vieille peau de blaireau, les dénominations, elles ont été démolies. J'ai pénétré de l'autre côté, dans la gloire de la Shekinah, et je vois la parole. Je vois la colonne de feu qui se déplace. Je vois la parole manifestée. Je vois se développer ce qu'il avait dit qu'il ferait en ces derniers jours. Je vois les enfants qui mangent ce pain de la Shekinah, produit par le mûrissement de cette parole, qui croient. Amen. Quelle heure merveilleuse que celle où nous vivons. Voyez-vous, la Shekinah était sur la parole, et en dessous, il y avait le pain, et il y avait le sang aspergé, ce qui lui donne l'eau. L'Esprit donne la vie à la parole. Et combien ont lu, entendu la bande sur le procès? Beaucoup d'entre vous, je pense. Vous voyez, là, il faut. Cette parole doit se développer. Pour pouvoir se développer, elle doit être dans la bonne sorte de terre. Voyez? Et Dieu fait une promesse. Quand elle touche le cœur, elle ne peut pas faillir. Noé a attendu 120 ans. Abraham a attendu 25 ans la venue de l'enfant. Dieu l'avait dit, alors c'était réglé. Voyez, qu'est-ce? La parole était là, arrosée par la foi. D'y croire, c'est ce qui a produit les résultats. C'est ce qui a produit un fils. C'est ce qui a produit la pluie. C'est ce qui a produit le déluge. C'est ce qui a produit la vierge qui a conçu. Un prophète avait dit, une vierge concevra. Sans doute que toutes les jeunes filles ont préparé leurs vêtements de bébé. Eh bien, ce prophète, Ésaïe, c'était un prophète identifié, confirmé par Dieu. Et le Seigneur avait dit, une vierge concevra. Je vais leur donner un signe surnaturel, un grand signe. Une vierge concevra. Là, tous ces gens, ces croyants, ils étaient exactement comme vous. Ils ont entendu ce prophète dire ça. Alors toutes les jeunes filles, tous les hommes disaient, « Ce sera ma fille. » Oui, monsieur. Tous, ils sont allés acheter des chaussons et des couches et tout. Ils se sont préparés parce qu'ils savaient qu'elle aurait ce bébé. Cette génération-là a passé. Et ils se sont dit, ce prophète identifié, confirmé par Dieu, comment aurait-il pu dire quoi que ce soit de faux? Il faut qu'il en soit ainsi. C'est arrivé 800 ans plus tard, mais elle a mis le bébé au monde. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu. Voyez-vous, nous y sommes, là, la lumière sur la parole. De même que la lumière du soleil transforme la semence, de gloire en gloire, nous aussi nous sommes devenus, nous devenons de plus en plus semblables à lui, alors que nous vivons dans sa présence, semblables à lui, en devenant conformes à son image bénie, alors que nous marchons avec lui. Observez ce que fait le soleil. Vous plantez une semence. Qu'est-ce qui arrive?
la semence pourrit. À l'intérieur de la semence, il y a une vie. La vie émerge et elle produit la tige. Or, elle ne ressemble pas à ce qu'il y avait au début. Ça, c'est Luther. C'était une tige. Très bien. La tige a poussé et tout à coup, elle a produit l'aigrette. Voyez-vous ça? C'était le réveil wesleyen. Ce n'était pas comme l'autre. Ensuite, il y a eu le réveil pentecôtiste, voyez-vous, qui a produit le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve avec des champignons sur l'épi. L'apparence commence à clocher. Cette chose-ci, cette chose-là, ça ne ressemble pas à la parole. Ce n'est pas comme le reste de la parole. Ce n'est pas comme le grain originel qui a été mis en terre. Mais Dieu est encore là pour produire cela. Cela quand même. Remarquez, qu'est-ce qui se produit? Il finit par reprendre de nouveau la forme de la semence originelle. Alors que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther, qu'il est venu sous la forme de John Wesley, qu'il est venu sous la forme de la Pentecôte, il doit se révéler de nouveau comme cette même semence qui avait été mise en terre, le Fils de l'homme. Il s'est révélé comme Fils de Dieu au long de l'âge de la tige et tout. Mais en ce dernier âge, il doit se révéler de nouveau comme Fils de l'homme. Vous saisissez? Très bien. Comme au commencement, façonné. Et qu'est-ce qui pousse au bout de la tige? Il y a une croissance continuelle. La petite tige pousse, mais elle n'est toujours pas comme le grain originel. Le message de Luther non plus. Non. Les autres messages sont venus. Finet, Sankey, Knox, Calvin, et ainsi de suite. Aucun de ceux-là. Ils étaient quand même le message. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'en ont pas reçu la révélation complète. Parce que le temps n'était pas venu. Vous ne pouvez pas mettre l'épi sur le maïs avant que ce soit le temps pour ça. Voyez? Puis, finalement, la semence originelle qui a été mise en terre revient de nouveau. Voyez-vous, Dieu œuvre en harmonie parfaite avec la nature. Voyez-vous, il est né un agneau. C'est pour ça qu'il est né dans une crèche. Les agneaux, ça ne naît pas dans des lits. Voyez-vous, il a été mené au calvaire. Un agneau, des brebis, on avait à l'abattoir. C'est un bouc qui les mène, mais ils doivent être menés. Ah, c'est exact. Donc, il a été mené à la boucherie, voyez-vous, parce qu'il était un agneau. Tous les éléments de la nature l'ont identifié. C'est pour ça qu'il est né en mars ou en avril, et non en décembre. Il n'aurait pas pu. Il y a 20 pieds de neige là-bas, à cette période-là de l'année. Il n'était pas du tout un dieu soleil, mais il était le Fils de Dieu. Voyez, le dieu soleil romain, le 25e jour de décembre, quand le cycle solaire arrive à certains points, là, ils allaient au cirque romain et ils appelaient ça la fête du Dieu Soleil. Ensuite, ils ont dit que c'était celle du Fils de Dieu. Non, non, il était le Fils de Dieu. Son anniversaire a correspondu au reste de la nature. Exactement. Maintenant, remarquez encore autre chose, comme nous continuons. Il nous reste un peu de temps. Maintenant, pour parvenir à la perfection, après que la tige s'est formée, après que l'aigrette s'est formée, après que le grain s'est formé sur l'épi, il doit ensuite parvenir à la perfection, former de nouveau un grain normal. Et souvenez-vous, le grain doit être fécondé. Voyez, sinon il ne vivra pas. Voyez, tout ce qui ne faisait pas partie de ces messages ne viendra jamais à la vie. Il faut qu'il y ait fécondation pour pouvoir réagir à cela. Mais souvenez-vous, cette même vie qui était dans la tige est dans le grain. Elle est simplement en train de parvenir de nouveau à maturité. Voyez-vous? Il s'est révélé comme quoi? Fils de l'homme. Le grain qui avait été mis en terre. Vous saisissez le message? Les Grecs lui ont dit, nous voudrions voir Jésus. Il a dit, si le grain de maïs ne tombe en terre. Voyez? Très bien. Maintenant, comme quoi s'est-il révélé ensuite? Sous une forme différente. La tige, l'aigrette et ainsi de suite, toutes les feuilles et tout. Ensuite, il s'est révélé comme quoi? Le même esprit, mais sous une forme différente. Voyez? Mais quel est le dernier stade de ce maïs? Il reprend la forme du grain originel. Pas vrai? Et son ministère passe par les réformes pour reprendre de nouveau la forme de la parole originelle. La parole vient à un prophète.
et il a promis dans Malachie 4 est de ramener la foi des gens au stade du grain originel. Ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a ici. C'est pareil. Le grain est passé par ces différents stades. Il est apparu comme fils de Dieu. Maintenant, il se révèle ici comme fils de l'homme. Et ensuite, il se révèle comme fils de David sur le trône. Voyez-vous, ces trois fils, très précisément. Oh là là, de nouveau comme à l'origine. Maintenant, le stade du ministère parfait de lui-même. Pas un homme, pas une dénomination qui ont eu leur action au cours de leur âge, là. Voyez-vous? Mais c'est lui-même manifesté. Il se manifeste selon la promesse, confirmant l'exactitude de Luc 17, 28, Malachie 4, et ainsi de suite, Hébreux 13, 8. Ce moment-là, ce serait le moment où quoi? Où la semence royale d'Abraham attendrait le fils promis. Et tous les types doivent s'accomplir. Et Dieu lui-même est apparu sous la forme d'un être humain à la semence naturelle d'Abraham avant la destruction. Et Jésus a dit que ce serait pareil pour cette semence royale avant le retour du Fils promis. Remarquez le vieux voile qui cachait la gloire, les vieilles peaux de blaireau. Leur aspect n'avait rien pour plaire, sa chair non plus. C'est pour ça que les gens disaient, une espèce de gars au dos voûté comme ça. Il avait probablement 30 ans, les cheveux gris et la barbe grise. Il n'avait rien pour attirer les regards. La Bible dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait pas l'air d'un roi, la vieille peau de blaireau. Mais, oh, ce qu'il y avait à l'intérieur. Et un petit groupe d'exaltés, assis ensemble dans une salle surchauffée comme ceci. C'est comme ça qu'il les appelle. Pas grand-chose pour plaire dans leur aspect, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr que c'est voilé à beaucoup de cœurs. Voyez-vous? Voyez-vous? Bien. À l'extérieur, il n'y avait rien, mais tout se trouvait à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est là que vous le voyez. Comment y entrez-vous? Par une poignée de main? Par une adhésion? Non. Vous y naissez en mourant, en vous débarrassant de votre vieille peau de blaireau, voyez-vous, votre vieux moi, pour rentrer dans une nouvelle. Voyez, se défaire de la vieille peau de blaireau, la lumière de la Shekinah. Ne, écoutez, les prédicateurs, je veux que vous écoutiez ceci. Une fois qu'on est à l'intérieur, maintenant, je ne vais vraiment pas me presser ici pour bien m'assurer que vous le saisissiez. Une fois qu'on est à l'intérieur du voile, sous la gloire de la Shekinah, la lumière de la Shekinah ne prend pas la parole de Dieu pour révéler que Jésus est un diseur de bonne aventure. Non, comme le font les dénominations aujourd'hui, télépathie, exaltée, Belzébul, ce n'est pas ce que la gloire de la Shekinah révèle à son sujet. Mais la gloire de la Shekinah fait mûrir la semence qui est promise pour l'heure, la parole, montrant qu'il est encore le lys de la vallée. Elle manifeste cette semence, le lys de la vallée, le pain de vie, l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la portion du croyant. La gloire de la Shekinah révèle au croyant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non pas ces jours-là, lui, c'est du passé. Il est mort et c'est fini. Alors, mon ami, si vous croyez ça, vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekinah. Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu'il est trois personnes? Voyez, comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais le révéler dans un baptême des gens au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, alors que pas une seule personne dans la Bible n'a été baptisée de cette manière-là? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle le restreindre à un apôtre, alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement?
Voyez, la gloire de la Shekinah le manifeste lui. Elle produit la parole de la promesse directement devant vous. C'est pour cette raison qu'il lui a fallu voiler le visage de Moïse. C'est parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus sous forme d'un petit homme humble pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et il se voile aujourd'hui dans des vases de terre. Avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande d'exaltés, des vieilles peaux de blaireaux. Mais au dedans se cache la gloire de la Shekinah. Elle fait mûrir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de milles en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Voyez, c'est la nourriture des croyants. C'est destiné uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants. Uniquement, voyez-vous, la semence pain de proposition. Remarquez, qu'est-ce qu'elle fait? Cette gloire de la Shekinah au-dessus du pain de proposition, elle l'empêchait de se gâter. Souvenez-vous, la manne qui descendait du ciel, elle était conservée dans la gloire de la Shekinah, de génération en génération. En dehors de là, les vers s'y mettaient pendant la nuit. Elles se contaminaient. Pas vrai? En dehors de la gloire de la Shekinah, les jours des miracles sont passés. Voyez, tout ça, c'est du fanatisme. Mais à l'intérieur, regardez, on a trouvé des graines de tournesol dans un grenier en Égypte. Elles avaient été mises là à l'époque de Joseph, il y a presque 4000 ans de ça. Joseph les avait engrangées. On les a plantées. Elles ont repris vie. Pourquoi? Il y avait de la vie dedans. Cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile pour voir qui est Dieu là devant vous. Voir qui est Dieu ici devant nous. Là, la colonne de feu. Il est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle faisait? La semence pain de proposition, la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci par ses promesses. La gloire de la Shekinah fait mûrir ce pain de proposition, en produit l'accomplissement, en fait du pain pour le croyant. Ce qui était là, dans les pages de la Bible, année après année, la parole pour cet âge-ci. Les dénominations, pour elles, c'est une pierre d'achoppement. Les dénominations, elles s'y achoppent. Pendant toutes ces années, Luther, Wesley, Martin Luther et tous, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tous, ils s'y sont achoppés. Mais qu'est-ce qui doit être fait dans les derniers jours? Révéler. Qu'est-ce que c'est? Produire. Qu'est-ce que Malachi 4 doit faire? Détourner les gens de cette pierre d'achoppement, démolir les traditions et révéler le pain par la gloire de la Shekinah. Regardez le mûrir et produire exactement ce qui avait été dit qu'il produirait. Oh là là, le pain de proposition pour cet âge. Pour les dénominations, une pierre d'achoppement, une bande de fanatiques. Mais pour nous qui croyons, mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avaient été cachés dans les pages pendant toutes ces années arriveraient à maturité, seraient divulgués dans l'âge du message du septième ange. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un an et six mois, presque deux ans maintenant, va à Tucson. Tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion est ce qui se produirait. Les sceaux seraient ouverts. Les sceaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu exactement comme il l'a dit. De quoi s'agit-il? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme. C'est parfaitement juste, en plein dans le mille, chaque fois. Qu'est-ce? C'est la main de Dieu, voyez-vous, devant nous. Et parce que c'est dans un petit groupe, voilé dans la chair humaine, c'est voilé au monde extérieur. Il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits enfants qui sont disposés à apprendre. Voyez, c'est exact. Voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était,
d'en donner l'interprétation lui-même. Et pour confirmer que c'est bien l'interprétation, nous avons l'interprétation. Dans ce cas, voyons si la chose se produit. Voyez-vous, c'est ça. Voyons si la chose se manifeste. Manifester. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Voyez-vous, il faut que ce soit prouvé. Mais maintenant, non pas prouvé comme pour Jésus, quand ils ont entouré sa tête d'un morceau d'étoffe et qu'ils l'ont frappé sur la tête en disant, « Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé, et si tu es le Fils de Dieu, change ces pains. » Voyez-vous, ça, c'est le diable. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. Je parle de la révélation, ce qu'il est censé faire. Voilà de quoi il s'agit. Mais maintenant, alors qu'Apocalypse 10 est révélé, les mystères de Dieu sont manifestés, divulgués, tels que promis dans le livre scellé de sept sceaux. Maintenant, que votre foi en lui, qui est la parole. En effet, dans Apocalypse 10, il est dit, ou plutôt dans Apocalypse 19, j'avais noté ici Apocalypse 10, de prendre ça. Mais ce n'est pas 10, c'est 19. Quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu, chevauchant sur un cheval blanc, et ses disciples du ciel le suivront. Brisez le voile dénominationnel de l'instruction. Brisez le voile dénominationnel de la tradition. Brisez ces voiles qui le cachent à vos yeux. Brisez ces voiles de l'orgueil, vous les femmes. Vous êtes des filles de roi. Montrez-le par votre conduite. Montrez-le par votre vie. Brisez tous les voiles. Peu importe ce que dit le doctorat en philosophie et le doctorat en droit. Si c'est contraire à la Bible, franchissez ce voile. En effet, nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré. Nous sommes de l'autre côté maintenant. De l'autre côté. Et vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions et tout, et que vous venez à lui, vous le verrez qui se tient là, le puissant vainqueur, la parole de promesse pour cet âge-ci, manifesté. Vous verrez le Dieu puissant dévoilé. Vous le verrez au beau milieu de nous ici, dévoilé. Le Dieu puissant qui n'a pas été vaincu par les traditions. Ils ont essayé de le tenir caché là-derrière. Ils l'ont fait pendant des années. Mais le temps de la promesse a approché. Dieu a suscité un Moïse à un moment donné. Et il a délivré les enfants de ces choses. Et il est encore, il ne peut pas être vaincu. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils disent, la chose n'est pas faisable, mais la chose s'est faite. Ensuite, après qu'elle s'est faite, ils ont dit, c'est du diable. Mais ça ne change rien à la parole de Dieu. Elle reste toujours Dieu pour le croyant. Le puissant vainqueur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par sa nature, par sa parole. Hébreux 13:8. Je termine en disant ceci. Parce qu'il est midi moins 5, je dirais seulement ceci. J'ai encore à peu près 10-12 pages. Je les prendrai une autre fois, peut-être ce soir. Remarquez ceci. Un jour, à une vente aux enchères, on offrait un vieux violon. Vous avez entendu raconter ça bien des fois, un vieux violon. Et le commissaire-priseur a dit, « Combien m'en offre-t-on ? » Il se peut que je ne le raconte pas tout à fait comme il faut, comme le poème. Il y a bien des années de ça, mais il me vient à l'esprit. Ils ont pris le vieux violon et il n'était pas très beau. Il avait l'air sale et tout. Il n'a même pas réussi à avoir une offre. Finalement, je pense qu'on lui a offert un dollar ou quelque chose comme ça. Il y avait là quelqu'un qui n'était pas d'accord qu'il se vende à ce prix-là. Alors il s'est avancé et il l'a pris. Il a promené ses mains dessus, il a pris l'archet, il l'a ciré de colophane et l'a joué en air. Et à ce moment-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Ils n'avaient jamais de leur vie entendu une musique comme celle-là. Alors le commissaire-priseur a dit, « Combien m'offre-t-on ? 2 000, 5 000, 10 000 ?» Voyez, qu'est-ce que c'était ? La main du maître avait révélé ce qui était voilé dans le vieil instrument. C'est pareil maintenant. Le vieux livre, il est usé. On en a ri, on l'a brûlé, on s'en est moqué. Mais le moment est venu,
Ils font une vente aux enchères dénominationnelles, le Conseil mondial des églises. Ils le vendent comme si ça ne regardait personne. Une vente aux enchères dénominationnelles va avoir lieu. Mais souvenez-vous, quelque part dans le vieux livre, il y a la promesse qu'un jour une main prédestinée, ordonnée de Dieu, viendrait le prendre et faire que la parole de ce livre, par le moyen d'un cœur prédestiné pour la tâche pour laquelle il avait été fait, révèle les promesses qui sont contenues. Ça peut avoir l'air, oh, d'une vieille bande exaltée ou quelque chose comme ça, mais tout ce qu'il faut, c'est la main du Maître, la parole là-dessus, pour révéler cette parole. Et là, ça devient plus qu'un exalté. C'est notre cas à chacun de nous, n'est-ce pas mes amis? Ce n'est pas un tas de fanatisme. Tout dépend de la main qui tient l'archet. Prions. Notre Père Céleste, aujourd'hui, par la foi, je vois le Maître du vieux livre qu'ils ont troqué contre des traditions. Ils l'ont troqué contre des dénominations. Ils ont essayé de l'échanger. Maintenant, ils l'échangent contre un conseil mondial d'hommes, d'églises, à tendance communiste, athée. La vente aux enchères se poursuit, Seigneur. Ô Dieu, avance-toi. Certainement que tu le feras. Envoie-nous ce prophète, Seigneur, qui prend cet archet, qui prend cette parole et démontre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, vendront leur vie. Ils se débarrasseront des vieilles traditions. Ils briseront les voiles. Ils le veulent, Seigneur. Ils sont prêts à tout donner, tout, pourvu qu'on leur donne Jésus. Seigneur, je pense que tu le leur as prouvé maintenant. Ils viennent de partout. Ils dépensent leurs revenus. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour tâcher de venir aux réunions, pour faire tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont trouvé cette perle de grand prix. Les autres choses comptent très peu. Bénis-les, Père. Sur cette chair, ce matin, Seigneur, il y a des mouchoirs. Peut-être que certaines personnes devront partir aujourd'hui, avant le service de guérison de ce soir. Ô Dieu éternel, abaisse le regard. Je sais que tu es ici, tu es voilé. Et j'envoie ces petits voiles, Seigneur, qu'on appelle des mouchoirs, et des petits linges, et des petits chaussons de petits bébés. Je les envoie en guise de petits voiles, comme quoi ta parole a été prêchée au-dessus d'eux ce matin. Et en tant que croyant, j'impose mes mains sur eux, mon corps, pour indiquer que moi, j'y crois. Et par la foi, chaque personne qui est dans ce bâtiment fait la même chose, Seigneur. Puissent les malades se rétablir. Tu peux promener tes mains sur la parole ici, Seigneur, comme le vieux violoniste l'a fait sur le violon. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Fais-lui exécuter l'air juste, l'archet dans la main du Maître, et alors nous le verrons se tenir là, à la vue de tous. Ce qui a dû traverser l'esprit des gens ce jour-là, alors qu'ils n'avaient rien voulu offrir, qu'ils n'avaient rien offert pour le vieux violon, ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas dans leur maison. Mais dès que celui qui savait bien jouer de l'instrument l'a eu pris dans ses mains, là ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour l'obtenir. Ils se chamaillaient et se disputaient pour l'avoir. À ce moment-là, il était trop tard. Ce sera pareil un de ces jours, quand la trompette du Seigneur retentira, qu'il n'y aura plus de temps. Ceux qu'on dévisageait et dont on se moquait, qui se sont tenus là devant le voile ouvert et qui ont vu la parole de Dieu manifestée. D'autres pousseront des cris, cherchant à l'obtenir. Mais, comme tu l'as dit, à ce moment-là, il sera trop tard. Ils sont allés au souper des noces, et eux sont restés dehors, où il y a des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Aide chaque personne à croire ce matin, Père. Franchis tous les voiles d'égoïsme, tous les voiles d'incrédulité, et qu'on voit le puissant vainqueur dévoilé devant les croyants.
car voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Montre-toi au milieu de nous, Seigneur, comme tu l'as fait, et reste toujours ainsi, jusqu'à ce que nous paraissions visiblement devant toi, quand il y aura eu un changement du N-morphée, et que tu seras de nouveau fils de l'homme, ensuite fils de David. Accorde-le, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous avons la tête inclinée, soyons tous en prière. Je me demande aujourd'hui s'il y en a ici qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'y a aucun moyen d'inviter les gens à s'avancer à l'autel ici, parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais je me demande sincèrement, est-ce que vous croyez que ceci est la vérité? Est-ce que vous croyez qu'en ce jour où nous vivons, dans tout ce chaos, dans cet âge de science semblable à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse, à l'époque de Christ, que Dieu, le glorieux Père de nous tous qui sommes en lui par une naissance, se tient au milieu de nous aujourd'hui, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science il y a bien des années. Quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé, et puis elle, un jour à la rivière avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole, telle que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l'extérieur de ce voile, et de rester à l'extérieur, c'est la mort. Voulez-vous, par la foi, ce matin dire, avec l'aide de Dieu, avec ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile, je veux pénétrer là où tu es, pour voir la parole entière de Dieu. Ne cherchez pas à être un Moïse, ne cherchez pas à être un Aaron. Non, soyez simplement qui vous êtes, mais soyez un chrétien. Voulez-vous, avec vos têtes inclinées, lever les mains vers Dieu et dire, « Seigneur Dieu, aide-moi à pénétrer à l'intérieur du voile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est, regardez-moi toutes ces mains. Ceux qui sont à l'extérieur, souvenez-vous, il se peut que je ne voie jamais votre main. De toute façon, que je la vois, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour Dieu que c'en a. Tout ce que ça me fait à moi, ça me fait simplement voir que la semence est tombée quelque part. Mais Dieu voit ce qu'il y a réellement dans le cœur. S'il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main, qui voudraient la lever maintenant, levez la main pour qu'on pense à vous en prière. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Père, nous prions aujourd'hui pour ces gens, Seigneur, qui n'ont pas encore traversé de l'autre côté de ce voile. Ils sont là-bas, comme Israël, ils observent, ils croient, mais ils n'ont encore jamais pénétré dans ceci, pour voir cette glorieuse lumière de la Shekinah, tant spirituelle que physique, puisqu'on ne cesse d'en prendre la photo avec l'œil mécanique d'un appareil. Il y a seulement 2 semaines, elle a encore été prise en photo. Tu te révèles, Seigneur, le Dieu puissant dévoilé aux croyants, encore voilé à l'incroyant, mais dévoilé aux croyants. Qu'il pénètre à l'intérieur aujourd'hui, Seigneur, qu'il voit sa grande splendeur et sa gloire, que leur cœur soit changé avant même que nous revenions à l'église ce soir. Qu'ils soient tous remplis de ton esprit, de ta présence. Que le Maître prenne cette foi qu'ils ont, qu'il la promène sur la parole et que cette terre revienne à eux. Tu as été prédestiné avant la fondation du monde à croire ceci. Crois, mon enfant, et sois sauvé. Dieu notre Père, nous les remettons entre tes mains maintenant, conscients que nous ne pouvons rien faire de plus. Tout est entre tes mains maintenant, Père. Je te les remets au nom de Jésus-Christ, ton Fils.
Amen. L'aimez-vous? Wonderful, wonderful, Jesus is to me, the counselor, prince of peace, mighty God is he, he's saving me, the keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer praise. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Oh, wonderful. Wonderful, Jesus is to me, the counselor, the prince of peace, the mighty God is he, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Combien le voit? Le puissant vainqueur qui se tient là, la parole faite chair, dévoilée devant nous, l'alpha, l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. La racine est la postérité de David. Il a été fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, et il sera fils de David. Le croyez-vous de tout votre cœur? Dans chaque âge, il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants. Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. Il est caché derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles et que nous le voyons tel qu'il est. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks. Jordan in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Jesus. Ne voulez-vous traverser le Jourdain maintenant? Il y a assez longtemps qu'on est dans le désert, vous ne trouvez pas? Traversons, emparons-nous des promesses. Maintenant, levons la main. I will ever praise him.
Amen. N'est-ce pas réjouissant? Oh, comme c'est merveilleux! Comme il est merveilleux là, n'est-ce pas? Let's shake hands with one another now, saying, Jesus, pray. The bow across his word. Hallelujah. He's the same yesterday. I will ever, ever praise him. I will ever, ever praise him. Him the word. Ever praise him. What did he do? For he said, behind the curtain, me. Que Dieu soit loué. Je l'aime. Vous l'aimez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est céleste? J'aime ces attributs de la parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit qui vient de cette façon toute douce, toute humble. J'aime vraiment ça. Side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life. That was in the Garden of Eden. There is rest for. Vous voulez y aller? Il brise toutes les chaînes. Every tradition, every fetter, Jesus break, every fetter, all denominations, all creeds. Que Dieu soit loué, comme je l'aime. Ce n'est pas étonnant qu'Ésaïe ait dit, il est conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, merveilleux. Wonderful, wonderful, Jesus is to me, counselor, prince of peace, the mighty God is he, oh saving me, keeping me, from all sin and shame, wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh là là, ça fait vibrer mon cœur, comme il est merveilleux. Je vous le dis, il n'y a pas de fin à ceci. Quand j'y suis entré, il y a 33 ans, c'est comme ça que je me sentais. Et s'il tarde, un jour je fermerai les yeux, et je repartirai comme ça aussi. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my prince of peace. A mighty God is he. He's saving me, he's keeping me from sin and shame. Wonderful,
Je pourrais passer le reste de la journée ici à baigner là-dedans. Paul a dit, si je chante, je chanterai dans l'esprit. Oui, si je prêche, je prêcherai dans l'esprit. Si je marche, je marcherai dans l'esprit. Si je parle, je parlerai dans l'esprit. Que tout soit fait par la parole et par l'esprit. Oui, monsieur. Amen. Tout ça, c'est la vérité de Dieu. Je le vois, le Dieu puissant dévoilé. Je le vois écarter les credos, les dénominations, écarter les sceptiques, les programmes pédagogiques et tout, s'avancer, se tenir là. Pensez-vous que les credos auraient pu le vaincre? Pensez-vous que les dénominations auraient pu le vaincre? Pensez-vous que le Conseil mondial peut le vaincre? Il a tout vaincu, brisé toutes les chaînes, éventré le séjour des morts. Il a arraché le sceau, il est entré dans le sein des saints, il s'est dévoilé à nous comme la parole, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je l'aime. Joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious Mary, oh, I speak. Oh, by earth and joy I have. Precious Mary, oh, I speak. Oh, si Satan essaie de vous tenter, que vous ne regardez pas la chose juste, montrez-lui la parole, comme Jésus l'a fait. Voyez, voyez, amen. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Journey is complete. Precious name, precious name, oh, I speak. Oh, by earth and joy of heaven. Precious name, oh, I speak. Oh, by earth and joy. Billy sera ici vers 6 heures. Il distribuera des cartes de prière à ceux qui veulent passer dans la ligne de prière. Je pense qu'il vaut mieux le faire. On n'avait pas l'intention de le faire, mais comme il y a beaucoup de monde, il vaut mieux le faire, voyez-vous. Maintenant, souvenez-vous de lui. Gardez-le toujours dans votre pensée, dans votre cœur, partout où vous allez, voyez-vous. Gardez Jésus dans votre pensée. The name of Jesus with, listen, as a shield from every snare. What happens when temptations round you get? What must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name. Precious name. Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, by earth and joy of heaven, precious name, oh, how sweet. Oh, by earth and joy of heaven. Maintenant, courbons la tête. Je vais demander au pasteur s'il veut bien venir terminer la réunion. Frère Neville, que Dieu te bénisse, frère Neville.